Bonjour Naïm. Bonjour Pascal. Je te remercie très sincèrement d'avoir accepté cet entretien sur un sujet qui, je pense, nous tient tous les deux à cœur et qui est un sujet, je dirais, un peu polémique, un peu compliqué parfois à comprendre. Et je souhaitais précisément voir avec toi la manière dont tu envisageais les choses au travers d'un ouvrage que tu viens d'écrire, qui vient de sortir il y a quelques mois, Le linceul du féminisme. On le retrouve derrière toi. Mais avant d'entamer cet échange, je souhaitais brièvement te présenter et tu pourras évidemment, le cas échéant, rajouter l'un ou l'autre élément utile. Donc, j'ai lu, Naïm, que tu es en fait un ancien animateur socioculturel dans les quartiers populaires. Tu es, c'est important pour comprendre effectivement notre entretien, tu es féministe et laïque engagée de culture musulmane. Tu as fondé et présidé le comité Ni pute ni soumise de Grenoble. Tu es titulaire également d'une maîtrise d'histoire et tu es l'auteur de plusieurs dizaines d'articles sur l'islamisme et le voile, publiés notamment sur ton site internet ainsi que sur les sites de Marianne et du Figaro Vox. Alors, tes écrits ont notamment permis, Naïm, d'alerter sur les dérives pro-voile du planning familial et sur les offensives du Burkini à Grenoble. Et tu as donc contribué effectivement à informer sur la radicalité du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui a été dissous et qui est en fait, je dirais, atterri en Belgique. Alors, pour planter quelque part le décor, je souhaiterais quand même, parce qu'il me paraît effectivement très, très éloquent, comme point de départ, ça me paraît absolument excellent, je souhaiterais précisément lire le quatrième de couverture donc, du livre sur lequel on va s'entretenir, et qui dit ceci: Héritage d'un patriarcat antique, accessoire vestimentaire le plus sexiste et discriminant que l'homme ait inventé, quintessence de l'inégalité femmes-hommes, le voile dit islamique fait débat en France depuis 30 ans. Par une obsession sexuelle exacerbée dont la religion est le prétexte régulateur, les islamistes en ont fait leur cheval de Troie politique, dis-tu. Pourtant, son histoire, sa raison d'être et ses prescripteurs restent méconnus. Que dit réellement le Coran? Quelles sont ses justifications profanes? Comment expliquer son expansion? Comment les islamistes ont-ils réussi à rallier une partie de la gauche et des féministes pour défendre cet accessoire politico-sexiste? Alors, avant justement d'entamer le fond du débat, j'aurais aimé, comme je le fais avec d'autres, ça me paraît important, savoir justement, Naïm, d'où tu parles. C'est-à-dire, évidemment, quelle a été ton insertion, je dirais, ton histoire personnelle et familiale. As-tu été croyant, oui, non? Quel a été ton propre cheminement pour finalement en arriver, en tant que musulman ou ex-musulman, tu nous le diras, à être extrêmement critique par rapport, effectivement, au voile que tu estimais être un vêtement sexiste? Dis-moi. Alors, oui, alors, bah déjà, mon prénom, c'est bien Naïm, pas Naïm. Alors, bah, par quoi commencer? C'est ce que, justement, j'expose dans la première partie du livre pour me présenter aux lecteurs qui ne me connaissent pas. Je suis français d'origine tunisienne. J'ai été élevé dans une famille assez conservatrice. La religion n'était pas forcément présente à la base. C'est venu progressivement avec les années, et surtout dans les années 90. Ça s'est développé surtout dans la deuxième moitié des années 90. Et il se trouve que l'évolution au sein de ma famille était au même rythme que ce qu'on pouvait constater dans d'autres familles ailleurs en France. Donc à l'époque, je ne me posais pas de questions, hein, mais en tout cas, c'est avec le recul dans les années 2000, 2010, que j'ai remarqué effectivement cette évolution parallèle. Et c'est une des raisons, hein, qui font que je me suis intéressé à ce sujet pour comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé pour quasiment tout le monde sur la même période. C'est vrai que la religion n'était pas présente auparavant. C'était beaucoup plus culturel. Et même au sein de mon quartier, hein, je veux dire, les échanges qu'on avait avec les copains, les copines, d'abord à l'époque, c'était très mixte. Aujourd'hui, ça s'est ghettoisé ethniquement, socialement, religieusement, mais à l'époque, c'était très mélangé et on s'identifiait pas par rapport à la religion de chacun. S'il y avait parfois des différences, c'était plus au niveau origine ethnique. Certains disaient « je suis algérien, je suis tunisien, je suis marocain », mais personne disait « je suis musulman », même s'il l'était. C'était pas un facteur identitaire à l'époque, donc on se posait pas la question. Il y avait une vraie mixité aussi, il y avait pas de problème de relation entre les garçons et les filles.
Et puis, c'est plus tard, quand j'étais jeune adulte, où j'ai commencé à voir donc les premières différences dans ma famille, mais aussi dans les quartiers. Et puis, c'est là aussi où j'ai commencé à travailler dans l'animation socioculturelle. Et c'est dans la deuxième moitié des années 90 où j'ai vraiment remarqué une évolution qui avait des conséquences dans mon travail pour faire des animations avec les garçons et les filles, des choses mixtes, etc. Et en fait, les arguments, les raisons étaient un mix de culture patriarcale et de religion. L'un entretenait l'autre, en fait. Et c'était pas seulement sur la mixité, c'était aussi sur les comportements alimentaires. Quand j'étais gamin et adolescent, j'avais jamais entendu le mot halal, je savais même pas ce que c'était. C'est arrivé au début des années 90 où il y a eu les prémices de la norme. Alors c'est comme ça que je l'ai vécu hein, dans mon quartier. Hein. C'est pas forcément la même chronologie ailleurs, mais c'est à peu près à la même période. On a pu constater l'évolution d'une norme, enfin une norme qui s'installe au fur et à mesure. Où tout d'un coup, les steaks, la viande devaient être halal, alors qu'avant, tout le monde s'en foutait, quoi. Et en même temps, je voyais des gens dans le quartier, soit des gens du quartier, soit des gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient nous expliquer à nous qu'on est des musulmans et que la France nous rejette et que la marche des beurs, entre guillemets, la marche contre le racisme en 83-84 n'avait rien donné et que c'est normal parce qu'on ne sera jamais français comme les autres, on est musulmans avant tout. Voilà, et il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça, le halal, le machin. Donc c'était une approche plus identitaire que spirituelle, et le prosélytisme donc était déjà à l'époque n'était pas seulement religieux, il était aussi politique. Et tout ça fait que on a commencé à avoir une évolution dans les quartiers, mais aussi parce qu'il y a eu une ghettoïsation progressive dans les quartiers. Donc la mixité sociale, ethnique, religieuse, tout ça. Commencer à être, ne plus être qu'un souvenir. Et les gens se ressemblent de plus en plus. Alors, je ne dis pas que c'est 100% musulmans dans les quartiers, ce n'est pas vrai, mais ce n'est plus la même mixité qu'auparavant. Ce qui fait que les gens restent entre eux et ça permet au prosélytisme des intégristes de mieux prospérer, à la fois parce qu'on reste entre soi, donc c'est plus facile de véhiculer un même discours pour tout le monde, mais aussi parce que c'est un entre-soi pauvre, pauvre financièrement, économiquement. Déclassement social, plafond de verre pour réussir à percer dans la société française. Et tout ça, c'est tous ces éléments-là qui font que le discours des islamistes a pu prendre dans les quartiers populaires. Voilà, donc moi, j'ai vécu ça de l'intérieur et mon caractère fait que je suis assez rebelle, je suis assez revêche à l'autorité. Donc, j'aurais jamais pu être militaire ou dans la police ou des choses comme ça. Donc, un truc religieux, c'est pas pensable, quoi. J'étais croyant, parce que, comme je le dis dans le livre, je ne me suis jamais posé la question, puisque on m'a toujours dit que Dieu existe. Donc, je ne me suis jamais posé la question de la réalité de son existence ou pas. J'étais musulman parce qu'on m'a dit que je l'étais. Voilà. Et j'ai grandi dans cette culture, parce que c'est aussi une culture, et dans cette religion, dans cette spiritualité-là. Je n'ai jamais voulu faire le ramadan. J'explique dans le livre comment, pourquoi, tout ça. Et j'ai jamais fait la prière. Mais j'étais croyant, j'étais musulman, et ça faisait partie de moi comme mon identité française, puisque je suis aussi né en France, j'ai grandi en France, mes souvenirs, mes repères culturels, musicaux, tout ce qu'on veut, sont français. Mais il y a aussi cette double culture qui est à la fois une richesse, mais parfois, quand on est ado, gamin, on se pose des questions aussi parce qu'on est entre deux chaises, est-ce qu'on est français? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis tunisien? À l'époque, encore une fois, il n'y avait pas de question est-ce que je suis musulman ou pas. Personne ne s'en rendait compte. Mais est-ce que je suis tunisien? Est-ce que je suis français? Donc, cette dualité identitaire m'a travaillé comme elle a travaillé toutes les personnes qui sont d'origine étrangère et notamment du Maghreb, parce que l'approche de l'identité n'est pas la même quand on est, par exemple, d'origine du Maghreb que quand on est d'origine polonaise. Italienne ou espagnole, parce que les cultures sont beaucoup plus proches de la culture française, la religion est la même, la langue est latine. Donc, même si il y avait des questions identitaires et des discriminations du racisme à chaque époque, par exemple pour les Italiens dans le 19e, au 19e siècle, 20e siècle, c'est pas la même chose. L'Italie n'a jamais été une colonie française, par exemple. Donc, il y a aussi l'histoire coloniale qui pèse là-dessus. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu. Et même encore aujourd'hui, parfois, il y a ce sentiment parfois d'infériorité. Je me souviens que mes amis qui n'étaient pas du quartier, quand je sortais du quartier,
j'avais l'impression presque d'être un territoire étranger. Pourtant, c'est la France, je suis français, mais pour moi, les autres, c'est les riches. Et les riches, c'est les Français. Nous, dans les quartiers, on est moins français que les autres, on est pauvres. On n'est pas du même monde. Et je n'aurais jamais accès à ce monde-là. Mon raisonnement, c'était ça. Je n'aurais jamais accès à ce monde-là. Ce n'est pas le mien. Donc, quand j'allais, par exemple, chez des potes qui avaient une maison individuelle, pour moi, c'était comme si je regardais la série Côte-Ouest à la télé ou Dallas, quoi. C'était vraiment un autre monde. Et dans ma tête, ce n'était même pas envisageable que je puisse aspirer à voir ça un jour. Tu veux dire aussi, du coup, Naël, qu'il y a une sorte de cloisonnement, mais du coup, un cloisonnement qui est aussi lié, peut-être en partie uniquement, mais qui est aussi lié peut-être à une sorte de conditionnement qui vient effectivement de l'éducation, du milieu dans lequel tu as grandi, de ta culture, de ta religion, de ta famille, qui fait qu'à un moment donné, tu t'auto-censures quelque part, tu t'empêches d'accéder à une réalité autre que tu ne connais pas encore, pour le coup. Pas seulement, parce qu'il y a, bien sûr, il y a ça, tu as raison, mais il y a aussi en face, c'est-à-dire la société française. Donc, parce que la société française, les gens, les politiques, tout le monde, nous renvoient presque systématiquement à nos origines. Donc, c'est pour ça qu'il y a la question identitaire. Et c'est aussi ce qui explique l'essor de l'islamisme. Et le voile qui est brandi, ce sexisme-là, ce patriarcat-là, qui est brandi comme une forme d'identité. Parce que les islamistes sont présentés aussi comme identitaires à l'époque, par rapport à l'époque coloniale, à la colonisation. Les frères musulmans sont nés en Égypte à l'époque de l'occupation de l'Égypte par l'Empire britannique. Et après, à la fin de la colonisation, il y a toujours cet argument de l'identité. Parce qu'en face, on nous renvoie aussi à nos origines. Alors avant, encore une fois, on ne nous renvoyait pas à l'islamité, mais à la maghrébinité, à l'arabité. Et même là, arabe, alors je fais des petites digressions, mais tout est lié, on n'est pas arabe au Maghreb. On n'est pas arabe, on est maghrébin. L'arabe, c'est l'Arabie, c'est la péninsule arabique. Il y a une langue commune, une racine commune, parce que chaque pays a son dialecte, une racine commune qui est la langue arabe, mais le Maghreb a été envahi et sous domination arabo-musulmane depuis 1000 ans. Donc, beaucoup de Maghrébins ignorent leur histoire, ignorent l'histoire de leurs origines, des pays où ils sont, pour s'identifier comme arabes. Donc, ils adoptent un esprit colonial qui est celui de l'Arabie, pour dénoncer l'empire colonial occidental. Voilà, donc il y a toutes ces ignorances-là. Et c'est vrai que moi, quand on m'a envoyé à chaque fois « t'es arabe », ça m'énerve, parce que non, je suis d'origine maghrébine, je ne suis pas d'origine arabe. Et donc là, en face, on nous renvoie à nos origines, on nous renvoie aussi au lieu où on vit. La plupart du temps, ce n'est pas méchant, et c'est ça qui fait mal. C'est que quand ce sont des racistes, quand à l'époque, c'était des skinheads, c'était le Front National, ça fait mal, mais on les classe, ils sont classés, on sait que c'est des extrémistes, voilà. Mais quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui, a priori, et effectivement, pense ne pas être raciste et qu'il vous renvoie à vos origines avec bienveillance. Par exemple, combien de fois on m'a dit « j'adore les plats de chez toi ». Moi, je suis grenoblois, je dis « bah ouais, c'est vrai que le gratin dauphinois, c'est super bon ». Et on me dit « non, le couscous ». Voilà. Non, c'est pas chez moi. Ce sont chez moi, c'est l'Isère, c'est le Dauphiné. Alors, dire j'aime bien les plats tunisiens, les trucs comme ça, bien sûr, et on peut discuter, il n'y a pas de souci. Mais quand j'étais gamin, je disais ah bah oui, donc chez moi, c'est pas la France en fait. Bah oui, puisque si le couscous c'est chez moi, la Tunisie, donc en fait, je suis accueilli. Ouais. On m'accepte, on me tolère, mais je ne suis pas leur égal. D'accord. Voilà. Alors que je suis né en France, donc je suis français de naissance et que mon père avait déjà la nationalité française parce que son propre père à lui était soldat dans l'armée française. D'accord. Donc il est médaillé militaire et tout ça. Donc je suis français par deux biais en fait. Comme ethniquement je suis d'origine étrangère et que mes parents viennent de Tunisie, ils sont arrivés en Tunisie un an avant ma naissance, on me renvoie très souvent à mes origines. Donc, en plus, je ne suis pas très typé. Donc, imagine quand ce sont des gens qui sont typés et que physiquement, tu vois qu'ils sont d'origine maghrébine. Ils renvoient constamment à leurs origines, parfois inconsciemment. Et ça, c'est horrible. C'est horrible et c'est ce qui a fortement contribué à l'essor des islamistes dans les quartiers. À la fois le discours de l'extrême droite,
Mais ça, encore une fois, comme c'est minoritaire en France, mais, enfin, minorité qui augmente, mais c'est, même dans les années 80-90, c'était très minoritaire, mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde avaient ce discours pas raciste, mais presque du discours de bienveillance, on vous tolère, c'est sympa chez vous, on adore le couscous, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'était systématique. Et c'est pour ça que quand d'un côté, la famille, les parents cultivent, et c'est normal, ils n'ont pas envie que leurs enfants oublient leurs origines, donc cultivent aussi l'origine étrangère. Ma mère a eu l'intelligence à la maison de nous parler pour la plupart du temps en français, ce qui n'est pas le cas d'autres parents, ce qui fait que des enfants arrivés à l'école parlaient très mal le français. Mais d'un côté, la famille qui nous dit, voilà, t'oublies pas tes origines, tu es tunisien, tu es aussi français, mais tu es tunisien. Et puis en face, ok, tu es français, mais tu es d'abord tunisien. C'est difficile. Et c'est pour ça que le discours religieux, présenté sous forme identitaire, a eu beaucoup de succès. Mmh. Mais comme moi, à la base, la religion, mais je m'en fous, ça n'a jamais pris sur moi, en fait. C'est ça. Parce que je suis quelqu'un de très rationnel, et quand j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature. Et quand on veut me dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, eh ben, il faut qu'on me démontre pourquoi. Il n'y a pas de parce que Dieu l'a dit ou un tel l'a dit. Je m'en fous que Dieu l'ait dit. Ou... Moi, je veux savoir pourquoi. Quelle est la raison rationnelle, par exemple, de ne pas manger de porc, de ne pas boire d'alcool, de manger halal ou pas, de porter le voile ou pas, de se marier avec quatre femmes pour un homme et qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec quatre hommes. Voilà. Donc, tout ça, j'avais besoin d'avoir des réponses. Et si on ne me donnait pas de réponses valables, eh ben pour moi, c'était hors de question, c'est moi qui décide. Voilà, j'ai un cerveau à l'époque, je me disais, Dieu m'a doté d'un cerveau, c'est pour que je m'en serve. Mmh. Ce n'est pas pour que quelqu'un me dise, Dieu a dit ceci, le prophète a dit cela. Donc, c'était il y a 1500 ans, ce qu'ils ont dit il y a 1200 ans. Moi, je suis en France, à l'époque, c'était les années 80-90, je suis en France à cette époque-là, quoi. Donc, et puis en plus, j'ai grandi avec une mixité culturelle. Mes potes s'appelaient Sandrine, Stéphane, Fred, Mourad, Hassan, voilà, Sophie, tout ça. Ce qui fait que j'avais la chance de grandir avec plein de visions du monde différentes et j'avais la chance de pouvoir grandir avec des copains qui n'étaient pas forcément du quartier. J'en avais dans le quartier, mais aussi à l'extérieur, et où il n'y avait pas ces réflexes identitaires. Et avec eux, je n'étais pas d'origine tunisienne. J'étais Naïm, j'étais leur pote. Mmh. Et eux étaient mes potes. Et c'est pour ça aussi que je me sentais bien avec eux. Voilà, il n'y avait pas ce, on se charriait sur nos origines. Entre adolescents, jeunes adultes, parfois des vannes graveleuses, voire racistes, mais parce que c'est du second degré et on se moque des racistes, justement, en faisant des blagues racistes. Et c'est super drôle, quoi. Et on se sent à l'aise comme ça. Et j'ai eu la chance de vivre ça, cette adolescence-là. Et c'est ce qui m'a construit aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que quand je vois à l'extérieur du quartier qu'il y a une vraie mixité et qu'avec le temps, dans le quartier, cette mixité-là était de plus en plus remise en question. Là, ça commençait à me refroidir. Mmh. Et quand ça venait avec des arguments religieux et qu'une norme sur ceci, une norme sur cela commençait à apparaître, plus il y avait des restrictions qui en plus étaient complètement ridicules, plus je m'éloignais de ça. Et c'est vrai qu'il arrivait un moment où j'en pouvais plus parce qu'on commençait à me juger, pas moi, beaucoup de gens, mais bon, là je parle de moi, on commençait à me juger sur ce que je mange, ce que je mange pas, comment je... Voilà, je sais pas si par exemple, je dis n'importe quoi, si j'avais le malheur, par exemple, d'aller dans un supermarché pour acheter des tranches de jambon, par exemple. Si ça me prenait l'envie d'acheter du jambon et que quelqu'un du quartier me voit, je vais tout de suite, la personne va venir me faire des remarques, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça, t'as pas honte. Voilà. Donc, c'est horrible. C'est horrible. Et ce qui fait que plus ces musulmans-là devenaient rigoristes et intolérants, et moi, je me voyais de points communs avec eux, en fait. Et donc, plus je m'éloignais de la religion, alors que déjà, je n'étais pas pratiquant, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben, je n'ai plus rien en commun avec ces gens-là, quoi. Ils sont antisémites, ils sont racistes, ils sont sexistes, et tout ça sous couvert de l'islam. Donc, j'ai dit, non, moi, je suis pas ça. Moi, je me reconnais, et c'est aussi l'école qui m'a apporté ça, je me reconnais dans les valeurs de la République, je me reconnais dans la laïcité. J'ai fait des formations d'éducation populaire laïque pour devenir animateur socioculturel, et je m'épanouis là-dedans. C'est là où je me reconnais, c'est-à-dire où chacun peut avoir la religion de son choix, mais il la garde pour soi, parce qu'il n'y a pas besoin d'imposer aux autres. L'islam, le christianisme ou le judaïsme, c'est dans le cœur. C'est pas sur la tête, c'est pas sur le front, c'est pas des Allahu Akbar ou des Inch'Allah ou Allah Akrabi toutes les cinq minutes. C'est l'intimité. Pour moi, c'est même pas personnel, c'est intime.
Et la laïcité, justement, permet de gommer les différences. C'est aussi pour ça que moi, en tant que Français d'origine maghrébine, la laïcité, j'adore, parce que ça permet de gommer les différences. Et quand je voyais d'un côté, je m'épanouissais dans les valeurs de la démocratie, de la République, la laïcité, et au fur et à mesure, le féminisme, puisque plus les gens devenaient sexistes au nom de l'islam, et plus ma fibre féministe grandissait, en fait. Donc, je n'ai pas changé, je ne suis pas devenu plus féministe qu'avant, c'est simplement que je voulais affirmer de façon plus, avec des mots et de façon plus ferme, les valeurs que j'ai toujours eues. Mmh. Voilà. Et que c'est pour ça que j'ai eu, moi, ce décalage dans mon quartier, dans ma famille, et que finalement, au bout du compte, bah, je me suis dit, bah, non, je n'y crois plus à tout ça. Donc, mmh. Je me suis posé plein de questions, d'où sont venues les religions, pourquoi, comment s'est créé le monothéisme, l'islam, le Coran qu'il a écrit, comment, enfin, voilà. Et en cherchant, à la fois en me posant des questions politiques, philosophiques, religieuses, historiques, bah, j'ai trouvé des réponses qui m'ont fait que dire que bah, oui, Dieu n'existe pas, et c'est une construction humaine pour plein de raisons différentes, et que l'islam me sortait par les yeux. Je n'en pouvais plus. Franchement, je comprends les ex-musulmans qui déblatèrent constamment sur l'islam parce qu'ils reproduisent un petit peu dans le sens inverse qu'ils ont vécu. Quoi. Mmh. Et moi, je n'en pouvais plus. Et paradoxalement, c'est en faisant mes recherches sur l'islamisme que j'ai découvert un islam progressiste, un islam ouvert, tolérant, parce qu'il faut savoir qu'en Tunisie, l'islam que j'ai connu dans mon enfance, quand j'allais en vacances là-bas, c'était un islam assez ouais, tolérant, ouvert, intime, c'était pas revendiqué, il n'y avait pas de voile dans les rues, et au fur et à mesure, l'intégrisme musulman venu du Moyen-Orient a commencé à arroser le Maghreb, y compris la Tunisie, même si la Tunisie a mieux résisté par exemple que par rapport à l'Algérie. Mais voilà, la déferlante islamiste a fait quand même son œuvre, et ce qui fait que même en Tunisie, il y a eu cette évolution-là. Et donc, j'ai redécouvert l'islam, ce qu'on appelle l'islam des Lumières, même si le nom est un peu impropre, mais ce qu'on appelle l'islam des Lumières, Abdelwahab Medeb, Malek Chebel et d'autres. Et je ne suis pas redevenu croyant, mais ça m'a réconcilié avec une partie de ma culture et une partie de moi que j'avais renié. Voilà. Parce que je me suis dit que finalement, l'islam, comme toutes les religions, elle est ce qu'elle veut qu'on soit. Mmh. Ce qu'elle veut qu'elle soit. Et donc, les islamistes ont choisi. Les progressistes ont choisi. Et qu'effectivement, me penchant sur le Coran, j'ai compris que tout n'est question que d'interprétation, et que le Coran peut être à la fois un livre de haine, un livre antisémite, un livre raciste, un livre sexiste et patriarcal, un livre de guerre. Mais il peut aussi, selon les interprétations, et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, qui peut être un livre de paix, un livre qui revendique, qui tend vers l'égalité des sexes, qui donne des droits aux femmes, qui parle, oui, de paix, d'égalité, de tolérance, mais c'est selon les interprétations de chacun. Et je terminerai aussi par dire que ça dépend aussi ce qu'on met derrière dans les définitions des mots, parce que les islamistes aussi disent que l'islam est une religion de paix, d'amour, etc. Mais les définitions qu'on met derrière ne sont pas les mêmes, donc on ne parle pas de la même chose. La tolérance, définition islamiste, n'est pas la même tolérance que la définition du Larousse, mmh. par exemple. Pareil pour le mot respect, et j'en parle dans le livre. D'accord. Donc tout ça, en conclusion, pour dire que j'étais croyant sans jamais pratiquer, et mes expériences de vie ont fait que je suis devenu athée, avec un rejet fort de l'islam, et depuis une quinzaine d'années, je ne suis plus dans le rejet de l'islam, parce que la laïcité m'a permis aussi d'accepter que des gens puissent être croyants, vivre leur foi dans les règles de la République. Et c'est aujourd'hui, depuis 15 ans, que je milite en m'appuyant sur les règles de la République, sur les lois de la République et aussi sur la philosophie des Lumières. D'accord. Merci Naïm pour cette introduction, ce préambule qui est assez long, mais qui permet bien de saisir de fait d'où tu parles, parce que l'ouvrage lui-même, je dirais, dans sa totalité, fait quand même 350 pages et apporte évidemment bien d'autres aspects que nous allons évoquer par la suite. Mais en tout cas, c'est important de fait de pointer d'où tu viens et quel était, j'ai envie de dire, ton propre cursus. Et ce que j'aime beaucoup en fait aussi dans ton livre, c'est que quelque part, il est extrêmement didactique, il traite, je dirais, de l'ensemble des questions que quelqu'un de sérieux
qui se posent des questions, finalement, envie effectivement d'aborder, d'essayer de trouver des réponses. Et donc, effectivement, je pense qu'ils trouvent une série de réponses, pour le coup, de fait rationnelles et pas du tout irrationnelles. Et pour donner un petit peu quand même un avant-goût de la manière dont le livre est écrit, je voudrais précisément reprendre le début de ce livre en préambule, parce que je pense aussi que, quelque part, l'esprit critique que tu as eu, on peut évidemment l'avoir à l'égard de toute religion, ce n'est pas évidemment propre à l'islam, et toutes ces questions, finalement, quelqu'un qui est enfant à un moment donné peut effectivement se poser les questions, les bonnes questions, si de fait il n'est pas le question mis sous une chape de plomb trop rapidement. Donc, dans un premier temps, tu dis ceci: Dieu existe, comment pourrait-il en être autrement? Il est le créateur, le père de toutes choses, de chaque être vivant, de chaque événement naturel. Je ne l'ai jamais vu. Il ne s'est jamais adressé à moi. D'ailleurs, personne ne l'a jamais vu ni entendu. Mais je sentais sa présence, sa surveillance de chacun de mes actes et sa protection bienveillante. J'en étais convaincu. Je n'avais donc pas besoin de preuves de son existence. Je croyais en Dieu parce que, depuis ma naissance, on me répétait inlassablement qu'il existe. Je ne m'étais jamais posé la question de sa réalité. Pour moi, elle était une évidence. Pourquoi en douter, puisque mon entourage familial me disait qu'il était bien présent malgré son invisibilité? Voilà, là, je pense que ça résume effectivement un petit peu ton point de départ et aussi le cheminement que tu nous as expliqué de la croyance, je dirais, à l'athéisme, en tout cas pour ce qui te concerne. Je voulais également, Naïm, aborder une seconde question, parce que tu sais que la question du voilement, c'est une question évidemment récurrente qui remonte il y a déjà pas mal d'années, des dizaines d'années même, et je pense notamment à l'affaire de Créteil en 1989 déjà. Et tu sais évidemment que du coup, il y a d'autres ouvrages qui ont de fait déjà été écrits sur la question du voile, et je voudrais en reprendre trois ou quatre. Il y a notamment celui que j'aime beaucoup, que j'ai lu intégralement, j'ai eu l'occasion également de l'interroger, c'est Nadia Gertz, qui a écrit un livre intitulé « Fichu voile ». Il y a évidemment, tu la connais certainement, Fatila Boujala, qui a écrit « Combattre le voilement », et elle a également écrit « Le grand détournement ». Et puis, on a notamment également une ressortissante iranienne qui a aussi, je dirais, subi la chape de plomb des mollahs, qui est Chadrut Javan, et qui a écrit un livre « Bas les voiles ». Alors, ma question, évidemment, c'est de savoir, par rapport justement déjà à l'existence de ces livres-là, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, Naïm, qu'est-ce qui apporte le question de plus ou de complémentaire ton livre par rapport à ce qui a déjà été écrit? Alors, tu as listé des livres qui sont effectivement de très bons livres. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a Un voile sur le monde, qui était sorti l'année dernière, je crois. Et il y a plusieurs ouvrages sur le voile qui sont sortis depuis les années 90. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que chaque livre aborde le sujet à sa propre manière. Il y a souvent des points communs dans les idées. La plupart, tous les livres d'ailleurs que tu as cités, c'est des livres qui dénoncent le voile plus qu'ils ne le défendent, donc comme moi, chacun avec ses propres arguments et son propre angle. Le mien, sa particularité, c'est que d'abord, il aborde dans le détail les versets coraniques, et c'est le seul livre, en tout cas à ma connaissance, en langue française, qui va aussi loin. C'est-à-dire dans l'analyse des textes coraniques. C'est-à-dire que les autres livres, en fait, partent du principe que le voile peut être religieux, ou peut religieux ou pas, ne s'attardent pas sur l'aspect théologique, ou si peu. Ils vont citer les versets concernés dans la traduction française. Certains vont le commenter, certaines autrices vont les commenter, mais ça ne va pas très loin parce que ce n'est pas l'objet de leur livre. Souvent, c'est une analyse politique, philosophique, culturelle, etc., ou féministe. Moi, je me suis dit qu'il y a trop de malentendus sur ce sujet et que parce qu'il y a des malentendus, on utilise des termes qui ne sont pas forcément bons. Par exemple, parler de foulard au lieu de voile. Je me suis dit que, ça c'est ma formation d'historien, c'est qu'il faut d'abord partir de la base. Il faut partir de la source. Voilà. Il faut, parce qu'il faut tout dépoussiérer pour que, ensuite, dans la suite du livre, on puisse comprendre mon raisonnement. Voilà. Si je dis que le voile n'est pas une prescription religieuse en islam, il faut que je le démontre. Donc, pour le démontrer, il a fallu que j'aille vraiment le plus loin possible. Encore une fois, j'ai vraiment mis à contribution ma formation d'historien pour d'abord ne laisser aucun interstice
pour ceux qui considèrent, c'est les intégristes hein, qui considèrent le voile comme une prescription. Je ne me suis pas arrêté à la traduction française, je suis remonté à la source en langue arabe. Et j'ai repris moi-même la traduction. Et j'ai travaillé pendant des semaines avec une traductrice. Et j'ai comparé ma traduction littérale, donc je voulais vraiment littéraliste, hein, même si ça ne veut rien dire en langue française, mais mot à mot. Mmh. Et ensuite, comparé aussi avec ce travail de traduction avec d'autres, avec des arabophones, des universitaires, notamment tunisiens, pour voir ce que dit vraiment le texte arabe. Et ça, c'est le seul livre qui fait ça en langue française, pour aller aussi loin dans le détail. Et j'expose même d'où vient la traduction du Coran. J'explique quelle est cette traduction en langue française la plus courante aujourd'hui en France, notamment sur Internet. Et je compare même les versets du voile en langue anglaise. Et là, je démontre la falsification du Coran par les islamistes. Donc ça, déjà, c'est une grande différence avec tous les autres livres. Si on veut vraiment savoir ce que dit le Coran sur le voile et comment les islamistes ont réussi à le détourner, à l'instrumentaliser pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas sur le voile, c'est ce livre qu'il faut lire. Ensuite, à partir de là, j'utilise des sources, donc des prescripteurs du voile. Certaines sources sont connues, comme le livre de Youssef Al-Kardawi, « Le licite et l'illicite en islam ». Mais pareil, je suis le livre qui analyse le plus cet ouvrage dans ses aspects du voile, parce qu'il aborde d'autres sujets, mais il aborde surtout le droit des femmes. J'utilise des sources inédites aussi, que jamais personne n'a utilisées auparavant, de prédicateurs, parce que je les ai surnommés dans le livre internationaux, et puis aussi des nationaux, comme Hassani Hussein pour les frères musulmans et Nader Abou Anas pour les salafistes, où il n'y a aucun ouvrage qui a traité de l'analyse de leur discours, parce qu'ils sont assez récents, ces gens-là. J'ai mis des mois à recenser l'intégralité de tout ce qu'ils ont dit sur le voile. Et j'ai mis des mois à tout enregistrer, à tout retranscrire, pour ensuite, comme moi j'avais des connaissances, quand il dit telle phrase, et c'est là l'avantage, entre guillemets, d'être issu de cette culture, c'est que quand il dit certaines choses qui peuvent passer pour banales pour quelqu'un, moi ça fait tilt. Voilà, un exemple de dire... Aujourd'hui, en France, on conteste le voile alors qu'on préfère mettre une femme nue pour vendre du yaourt. Ça, j'avais écrit un article il y a quelques années, en 2017, en janvier 2017, parce que moi, ça m'a fait tilt. Et personne n'avait capté ça avant. Le CCIF a dit pas, mais personne n'a remarqué ça, ce que ça voulait dire. Et moi, ça m'a renvoyé à des discours islamistes que j'ai entendus et je savais d'où ça venait. Voilà. Donc, tout ça fait que ce sont des analyses qui sont concrètes, qui s'appuient sur des sources inédites pour démontrer que comment les islamistes, puisque ce n'est pas une prescription coranique, réussissent à détourner le Coran. Quels sont leurs arguments? Donc, une fois que j'ai retranscrit tout ça, il a fallu que je classe par thème leurs propos pour que ce soit digeste pour le lecteur, de prendre des exemples de citations et de tout classer pour que ce soit fluide dans l'ouvrage et que le lecteur comprenne, que je prenne le lecteur par la main pour qu'il comprenne comment est-ce qu'on part du Coran qui ne dit pas grand-chose sur le voile pour amener au discours qui mène des femmes aujourd'hui à se voiler. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi une différence, c'est que la plupart des ouvrages et aussi des articles et des gens qui s'expriment sur le sujet partent du discours des femmes qui portent le voile. Or, je considère que c'est prendre la chose à l'envers parce qu'il faut d'abord partir de ceux qui prescrivent le voile. C'est là la base. Parce que s'arrêter au discours de celles qui le portent, celles qui disent qu'ils sont forcés ou celles qui disent qu'ils le portent par choix, entre guillemets, puisque je démontre aussi dans le livre qu'il n'y a pas de choix dans le port du voile, et on se contente de ça. Non, il faut partir de la base, du processus qui a amené des femmes à se voiler, donc du Coran, de ceux qui le prescrivent, comment et pourquoi. Voilà. Donc tout ça font que ce sont des différences. Et enfin, la dernière particularité de l'ouvrage, c'est que comme je démontre que ce n'est pas une prescription coranique, que j'ai démontré quel est le processus de propagande qui fait que les islamistes réussissent à présenter l'accessoire vestimentaire le plus discriminant sexuellement de l'histoire de l'humanité en quelque chose de positif, une fois que j'ai démontré ça, et ben ensuite, je me suis attaché à parler de ceux qui relativisent le voile, puisque le discours des islamistes, notamment des frères musulmans, est un discours qui présente le voile sous une jolie forme, ou une forme banale, des féministes intersectionnels et des racialistes, etc., donc surtout à gauche, défendre les islamistes, notamment à travers le port du voile. Et donc là, et c'est la dernière partie de l'ouvrage, je démonte chacun des arguments qui relativisent le voile. Le voile mini-jupe, le voile islamiste avec le voile des nonnes, le serre-tête, et puis je pointe le ridicule de ces comparaisons parce que selon les moments, selon les interlocuteurs, le débat, on va présenter le voile comme un simple tissu, ou alors comme l'équivalent d'une casquette, ou alors comme un signe religieux.
et je démontre que ça ne l'est pas. Je compare avec la comparaison avec la croix et la kippa, par exemple. Je démontre que c'est complètement ridicule de faire ces comparaisons-là et que finalement, le voile ne peut être comparé qu'à un seul type d'autres accessoires. C'est tous les accessoires qui discriminent des humains. Voilà. Le voile ne peut être comparé qu'à ça. Et il ne peut pas être comparé ni à un signe religieux, ni à une voie, ni à une mini-jupe, ni à je ne sais quoi. Et c'est ce que je démontre dans le livre, et la trahison d'une partie du féminisme pour complaire à des intégristes religieux qui se présentent comme des victimes. Et enfin, ça, le clou du livre, c'est au niveau international, puisque tout est lié. La situation en France n'est pas isolée, le burkini n'est pas né en France, par exemple. Et je démontre que faire des concessions, faire des renoncements par rapport à l'islamisme, notamment à travers le voile, on considère que ce n'est pas grand-chose, c'est pour avoir la paix, mais ça a des conséquences colossales en France, puisque c'est la stratégie des petits pas fait qu'avec un effet cliqué, c'est difficile après de revenir en arrière, que ce qui se passe en France, des petits pas en France, c'est des pas de géants qui sont faits notamment au Maghreb et dans les pays arabo-musulmans, qui regardent aussi ce qui se passe en France. Et des féministes musulmanes ou non-musulmanes qui vivent dans les pays musulmans crient parfois leur colère vis-à-vis des féministes européennes qui contribuent à les oppresser chez elles, dans les pays où elles sont, puisque beaucoup d'islamistes, par exemple, disent « Mais regarde, en France, il y a plein de femmes qui se voilent. La République, elle autorise le voile, là, là, là. » Donc, si dans le pays des droits de l'homme, le voile est parfaitement bien accepté, pourquoi toi, ici, dans un pays musulman, tu refuserais de porter ton voile ? Et ça, c'est pas une interprétation que je fais, hein, ce sont des discours d'islamistes, notamment algériens, mais aussi tunisiens, vis-à-vis des femmes musulmanes de leur pays. C'est ça. C'est vrai que parfois, les discours évidemment, qui sont tenus sont, j'ai envie de dire, très forts. C'est-à-dire qu'on tire évidemment argument de pas mal, effectivement, de réalité de chez nous pour essayer, évidemment, de dire que finalement, le voile est, entre guillemets, un objet comme un autre. Mais ce qui est intéressant, effectivement, dans ton livre, Naïm, c'est que tu l'as pointé, et de fait, je ne l'ai pas retrouvé dans les autres livres, notamment dans ceux que j'ai cités. C'est la question du fait que le voilement des femmes ou des petites filles, sorcières, n'est pas un prescrit en fait coranique, mais que c'est effectivement un prescrit voulu par les intégristes. Et du coup, peut-être avant de voir un petit peu les textes eux-mêmes et de voir de quelle manière finalement ils sont interprétés selon les différents courants pour que effectivement on soit pro-voile ou au contraire qu'on dise que c'est pas un prescrit, qu'en réalité c'est pas du tout nécessaire pour plaire à Allah, peut-être que tu peux nous rappeler de manière préalable quels sont justement les différents courants en islam, puisqu'il n'y a pas effectivement un seul islam, il y en a plusieurs. Tu pourras un petit peu en quelques mots nous retracer ces différents courants pour qu'on comprenne bien finalement quel est le courant, je dirais, le ou les courants qui précisément sont pro-voile. Oui, c'est vrai que c'est important de le faire parce que ça aussi, je le dis dans le livre, c'est que c'est un réflexe humain de comparer avec ce qu'on connaît. Donc souvent, on va comparer la religion chrétienne avec l'islam. Et on va comparer le voile, justement, des nonnes avec... voilà. Or, ça n'a quasiment rien en commun. Les trois religions monothéistes ont une base évidemment commune. Le christianisme est issu du judaïsme, l'islam est issu des deux religions monothéistes qui l'ont précédé. C'est pour ça, par exemple, que le Coran ne retrace pas l'histoire de Moïse, de Noé, puisque le Coran considère que ça a déjà été raconté dans la Genèse, dans la Torah, etc. Donc, il n'y a pas besoin de réécrire ces histoires-là, puisque le Coran les valide. Le Coran, quand il aborde ses prophètes, c'est pour apporter soit des précisions, soit, et là, je parle du point de vue de la religion musulmane, hein, ce n'est pas mon avis personnel, donc, soit de corriger des erreurs qui sont dans la Bible ou dans la Torah, selon donc, la religion musulmane. Donc, il y a déjà cette base commune, mais ça s'arrête là, parce qu'après, il y a l'histoire. Après, il y a l'histoire des religions, l'histoire de la révolution. Le christianisme, par exemple, a été une religion colonisatrice, comme l'islam, exactement pareil, sauf que 19e siècle surtout, il y a eu donc l'histoire coloniale, il y a des choses qui sont totalement différentes. Au sein de l'islam, déjà, il y a deux grandes branches. Il y a l'islam sunnite et l'islam chiite. L'islam chiite, bon, je ne vais pas tout retracer, hein, je ne vais pas faire un cours d'histoire des religions de l'islam. L'islam chiite, c'est plutôt un islam qui part du principe que la transmission du chef des croyants se fait par l'hérédité. Donc, c'est le neveu du prophète qui était censé devenir le successeur du prophète. Et donc, cet islam-là, il a un clergé, comme dans l'Église romane. Et on retrouve essentiellement cet islam en Iran. Voilà. Et puis, de l'autre, il y a l'islam sunnite,
Et donc là, les premiers califes ne sont pas de la famille du prophète, mais sont parmi ses compagnons. Là, l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Et c'est l'islam qui est le plus répandu dans le monde, et bien sûr donc en Turquie, au Maghreb, il n'y a pas de clergé tout simplement parce que les musulmans considèrent que la relation doit être directe avec leur créateur et qu'il n'y a aucun être humain qui peut faire l'intermédiaire entre eux et Dieu. Et c'est toute la difficulté d'organiser l'islam, notamment en France, parce qu'il n'y a pas de représentant officiel, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clergé, il n'y a rien. Voilà. Au sein donc, de l'islam sunnite, il y a quatre grandes écoles. Moi, je me reconnais plutôt quand j'étais croyant, mais même aujourd'hui aussi, je soutiens ces musulmans-là qui est l'école mutazilite, plutôt rationaliste. Et puis, il y a l'école la plus rigoriste, qui est l'école hanbalite. C'est elle qui est à l'origine du salafisme et des frères musulmans. Voilà. C'est l'école la plus rigoriste, la plus littéraliste, la plus rétrograde. Et pour différentes raisons, c'est aujourd'hui cette branche-là qui domine l'islam à travers le monde. Donc, ce n'est pas l'islam qui est ceci ou cela, c'est la mainmise d'un courant rigoriste et extrémiste de l'islam qui fait que l'islam poserait autant de problèmes, et notamment en France. Voilà. Et donc là, c'est à cet islam-là que nous sommes confrontés avec l'école hanbalite. Alors, ça, c'est le discours général, mais après, il faut comprendre que c'est beaucoup plus complexe. Dans chaque courant, il y a des sous-courants, il y a des nuances. Il y a, par exemple, le salafisme, ce n'est pas la même chose que les frères musulmans. C'est toutes ces confusions-là, toute cette complexité-là, que les gens ne savent pas et que c'est aussi pour ça qu'il y a des confusions. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est ce que je veux vraiment dire dans le livre, c'est que autant le voile, c'est l'outil matériel de l'islamisme, autant la sémantique, c'est la sève de la conquête islamiste. Les mots sont fondamentaux. Donc dire foulard, par exemple, au lieu de voile, ce n'est pas anodin. Parler d'islamophobie, ce n'est pas anodin. Voilà. On ne va pas parler de musulmanophobie ou de hostilité envers les musulmans. La référence, c'est la religion, c'est islamophobie, ce n'est pas musulmanophobie. Donc, on veut établir un délit de blasphème spécifique à l'islam en fusionnant l'hostilité envers les musulmans et la critique ou l'opposition à une religion. Voilà. Tous les enjeux tournent autour de ça. Et c'est pour ça que parler d'islamisme radical, c'est un pléonasme. L'islamisme est par définition radical. Ces derniers jours encore, on a entendu nos politiques, des journalistes, parler d'islamisme radical. Donc, ça veut dire qu'il y aurait un islamisme modéré. Donc, confondre islamisme et salafisme et ignorer complètement les frères musulmans, alors que ce sont eux qui représentent à long terme la plus grande menace pour le monde, et notamment en France. Enfin, notamment parce qu'ils nouent des liens avec une partie de la gauche. Les salafistes, non. Voilà. Donc, et c'est pour ça que c'est cette branche-là, le hanbalisme, qui aujourd'hui est la plus prégnante sur l'islam à travers le monde. Voilà. Donc, au Maghreb, à la base, c'est un islam qu'on appelle malékite. Donc, c'est un islam régional qui s'inspire un peu du mutazilisme. Et aujourd'hui, comme partout ailleurs, c'est plutôt l'école hanbalite, donc venue du Moyen-Orient, qui a tendance à dominer. C'est ça. Et tu expliques bien, Naïm, effectivement, aussi dans ton ouvrage, le fait qu'il y a l'islam politique, tu l'as dit, les frères musulmans, le salafisme et l'islam dont on a parlé tout à l'heure brièvement, l'islam dit des Lumières. Et tu as notamment dans ton ouvrage, tu dis notamment ceci au sujet justement des musulmans progressistes, tu dis le fait qu'ils existent. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es très didactique et tu dis notamment ceci. Comment est-on passé d'une simple recommandation à cacher l'échancrure de la poitrine qui concernait le volet social et les mœurs à une obligation universelle et intemporelle ultra-sexiste pour cacher l'intégralité des corps des femmes sous couvert du religieux? Pourquoi les interprétations des islamologues et intellectuels musulmans progressistes seraient-elles moins crédibles que celles d'islamologues tels que Tariq ou Annie Ramadan? La paresse intellectuelle des théologiens islamistes, guidés par leur sexisme et leur obsession sexuelle, rend-elle plus légitime leur interprétation coranique? Existe-t-il réellement un consensus entre tous les savants musulmans concernant cette « obligation religieuse » entre guillemets, comme l'affirment les intégristes? Pourquoi entend-on si peu d'avis divergents?
des théologiens, islamologues, historiens, etc., ont démontré, preuve à l'appui, qu'il n'y a aucun fondement à faire du voile une obligation religieuse. C'est pourtant l'interprétation intégriste qui domine aujourd'hui. Du coup, peut-être, Naïm, en quelques mots, même si je sais effectivement qu'il y a pas mal de pages qui sont, consacrées à la question du voile et du coup au texte coranique eux-mêmes et aux différentes interprétations effectivement que l'on peut donner en regard précisément aussi de différentes traductions qui ont été reprises du texte original du Coran. Tu peux nous dire en quelques mots donc éventuellement en quoi l'on peut dire avec certitude que le voile n'est pas un prescrit coranique? Alors d'abord parce que le mot voile, donc le mot français voile, il n'y a pas de traduction en arabe dans le Coran. Le mot voile ne figure nulle part dans le Coran en arabe, nulle part. Les versets sur lesquels s'appuient les islamistes, il y en a trois, parfois quatre, mais les trois, chaque verset emploie un mot différent, déjà. Alors que la traduction française traduit tout par un seul mot qui est le mot voile. Et ensuite, chacun de ces mots, aucun ne signifie voile. Il y en a un, c'est plutôt châle, il y en a un, c'est plutôt une mante, une cape, une étoffe, mais pas de voile. Ensuite, le Coran ne dit pas quelles sont les zones à cacher. Il y a, en gros, la femme doit rabattre ou rapprocher son voile sur elle-même, etc. Une anecdote, c'est que dans la traduction française, il y a écrit la femme doit rabattre ou ramener, je ne sais plus, son grand voile. Voilà. Or, dans la traduction, j'ai été surpris. Je savais que ce n'était pas ça dans le Coran et que même déjà, admettons que ce soit la bonne traduction, rien n'indique comment le voile doit être rabattu. Donc, est-ce qu'il doit être rabattu comme ça, donc, c'est-à-dire sur les épaules, par-dessus la tête? Il n'y a aucune indication. Les islamistes, par contre, après, ils détaillent. Donc, ils ajoutent des trucs, mais dans le Coran, il n'y a pas de détails. Bon. En fait, dans la traduction arabe, il n'y a pas le mot grand. C'est un rajout de la langue française par des traducteurs qui considèrent que c'est un grand voile. En fait, les traducteurs avaient la vision orientaliste de l'époque coloniale qui fait que les femmes musulmanes sont voilées, sont drapées dans des voiles, etc. Ils sont partis du principe donc, que ben, le Coran fait que ça parle d'un voile. Voilà, donc, ils n'ont pas cherché à comprendre plus loin. Donc, il n'y a pas cette notion de grand dans le Coran. La seule partie du corps qui est mentionnée dans un des versets, parfois c'est traduit par le mot poitrine, donc déjà ça n'indique que ça, mais en fait la bonne traduction c'est l'échancrure de la poitrine, donc c'est même pas la poitrine en elle-même, c'est le décolleté en fait. Voilà. Et donc c'est la seule partie du corps mentionnée pour être cachée. Voilà. Et ensuite j'ai regardé les traductions anglaises et parfois des traductions qui sont assez proches de la version originale en arabe, mais qui, entre parenthèses, rajoute des précisions. Et genre, la femme, elle doit tout cacher, sauf un œil. Voilà, ça, c'est des traductions salafistes, en anglais. C'est tout ça qui démontre que le voile n'est pas une prescription, parce que le Coran est très laconique, très vague, et à aucun moment, il n'impose aux femmes, parce que c'est pas un ordre, en plus. C'est un conseil. Il y a d'autres versets où il y a des ordres. Là, c'est un conseil. Et en fait, le conseil, c'est... finalement, que la femme rapproche son châle sur elle-même. C'est tout. Et la raison, parce que ça aussi, c'est l'art des islamistes de trafiquer le Coran, c'est que les islamistes, quand ils s'adressent aux gens qui ne sont pas musulmans, et parfois à leurs ouailles, vont dire « c'est une question de spiritualité ». Or, ce n'est pas vrai. C'est pour ça d'ailleurs que, et je le démontre dans le livre, aucun argument, il n'y en a pas un seul, pas un cheveu d'argument, qui argumente en quoi le voile serait spirituel. Par contre, l'intégralité, c'est sexiste et patriarcal. L'intégralité, avec parfois des arguments identitaires. Mais jamais, 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 il n'est expliqué comment est-ce que le voile crée le lien entre la croyante et Dieu. Mais c'est normal, parce que le voile n'a pas été créé pour ça. Il a été créé avant l'islam, et c'est juste du sexisme et du patriarcat, et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est pour ça que la raison du Coran pour que les femmes musulmanes rapprochent leur châle sur leur poitrine, c'est des circonstances de l'époque pour ne pas qu'elles soient offensées.
Donc, ce n'est pas pour être plus proche de Dieu, ce n'est pas pour, parce que Dieu va les récompenser pour aller au paradis, parce que ça manifeste leur amour pour Dieu, non. C'est pour qu'elles ne soient pas offensées par les gens de Médine qui, à l'époque, étaient en guerre avec les musulmans. Enfin, je caricature un petit oui, peu, oui. C'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'était des questions qui étaient circonstancielles. Et surtout, il faut comprendre que le Coran, il y a eu deux époques pour sa révélation. L'époque de la Mecque, où là, ça pose le cadre religieux, donc c'est vraiment l'aspect spirituel et religieux, et les versets, les sourates révélées à Médine, où là, c'est beaucoup plus politique, juridique, et le voile, les versets qui concernent le voile, ont été révélés à Médine. Donc, pas pour les versets spirituels. Voilà. Donc, le voile, en résumé, n'est pas une prescription coranique, ce n'est pas indiqué dans le Coran, et la justification de ce que les islamistes considéraient comme une obligation du voile, ce n'est pas spirituel, mais c'est pour des circonstances de l'époque où les femmes ne doivent pas être offensées. C'est un peu la raison, d'ailleurs, de la prescription du voile dans l'Antiquité, de distinguer les femmes vertueuses qui se respectent des prostituées et des esclaves. Voilà. Donc le Coran reprend un peu ça, pour le châle à rapprocher sur la poitrine. Les islamistes le reprennent, mais en partant du voile de l'Antiquité. Mais il le rend encore plus contraignant. Il faut tout couvrir, tout cacher. Voilà. Et enfin, les islamistes expliquent que oui, c'est vrai. Le Coran ne dit pas quelle partie du corps doit être cachée, mais il dit quand même que la femme doit cacher sa nudité, la aura. Donc pareil, j'explique d'où vient aura, et ce que ça veut dire, et que comment les islamistes ont déformé tout ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que quand on parle de la traduction littérale, et qu'on regarde et qu'on compare avec les arguments des islamistes, on se dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et que quand on écoute tous leurs arguments qui ne sont que du sexisme et du patriarcat, effectivement, c'est ce que je dis dans le livre aussi, c'est que les islamistes sont plus des obsédés sexuels que des religieux. Voilà. L'islam sert à cadrer leur libido. Voilà. Et qu'ils se servent de la religion pour justifier le port du voile. Voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'on peut comprendre que le voile n'est pas une prescription coranique, mais une prescription islamiste. C'est ça. Et tu expliques très bien aussi, Naïm, que finalement, s'il y a quelque part quelqu'un qui devrait de fait se protéger de la femme s'il y a lieu, c'est peut-être l'homme en se voilant lui-même ou en regardant effectivement ailleurs et pas à la femme, évidemment, d'être finalement celle qui doit supporter quelque part le regard en devant se cacher justement aux yeux des hommes. Et tu expliques très bien aussi la question que tu viens de nous rappeler ici, qui est la question de la contextualisation, en disant aussi que justement, si à l'époque peut-être la femme pouvait être offensée, qu'une façon d'éviter qu'elle ne soit maltraitée, c'est peut-être de se couvrir pour se dissocier effectivement des prostituées. Finalement, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un problème de cet ordre-là, eh bien, on fait appel à la justice pour effectivement être rétabli dans son droit et que quelque part, cette justification de l'époque ne se justifie plus aujourd'hui. Et alors, du coup, ma question qui est en lien avec cela, c'est est-ce qu'une des difficultés de sortir justement de la contextualisation pour essayer effectivement de se dire que ce qui était vrai aujourd'hui, enfin ce qui était vrai plutôt hier ne l'est plus aujourd'hui, ce n'est pas le fait que pour nombreux musulmans, quelque part, le Coran est la parole incréée de Dieu et que du coup, on n'a pas, entre guillemets, à la moderniser, on n'a pas à tenir compte du contexte actuel, on a à la prendre au pied de la lettre, contrairement peut-être à ce niveau-là, justement, pour ce qui est des chrétiens et de la Bible est censée être une révélation de Dieu, et donc elle est plus facilement contextualisable. Oui, c'est là tout le paradoxe. C'est d'un côté de dire on doit prendre le texte à la lettre et on doit l'appliquer parce que c'est un créé, et en même temps, on crée de toute pièce une obligation qui n'est pas dans le Coran, qui est le port du voile. Ouais. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Mmh. Donc si on veut appliquer l'islam à la lettre, le voile ne serait pas prescrit par les islamistes, aucune musulmane ne le porterait. C'est la première chose. Ensuite, respecter le Coran à la lettre, ça ne veut rien dire. Parce que justement, et je le démontre dans mon exercice de traduction, à partir du moment où on prend un texte qui date d'il y a 1200 ans ou 1300 ans, dans une langue qui n'est quasiment plus parlée aujourd'hui, parce que l'arabe du 7e siècle, ce n'est pas l'arabe d'aujourd'hui. Et qu'en plus, quand on l'a traduit dans d'autres langues, ce sont déjà des interprétations. Personne ne comprend le Coran à la lettre. Si c'était compréhensible, il n'y aurait pas besoin de milliers de livres pour essayer de s'approcher de ce que les croyants considèrent la vérité de Dieu. Donc, il n'y a pas de littéralité. Ça n'existe pas. Il n'y a que des interprétations.
Et l'interprétation littérale, c'est selon moi et selon les musulmans progressistes, un dévoiement du Coran justement et de l'islam. Pourquoi ? Parce que le Coran a été révélé dans des circonstances particulières, l'islam naissant, les guerres de l'époque, une culture particulière dans des tribus bédouines d'Arabie qui n'a plus rien à voir avec notre monde. Donc, si on veut vraiment respecter sa religion, si on veut vraiment respecter le Coran, il ne faut justement surtout pas l'appliquer à la lettre. Il faut le prendre dans son esprit, l'esprit du texte, pas la lettre. Je donne un autre exemple, tiens, de la fausse littéralité des islamistes dont je parle dans le livre. C'est la polygamie. La polygamie, si on prend le texte littéral, il y a un verset qui dit, en gros, qu'un homme a le droit de prendre 4 épouses. Voilà. Les islamistes s'arrêtent là, alors que le verset continue en disant, à condition qu'il soit égal avec chacune d'entre elles. Et il y a un autre verset qui dit que, sachez que vous ne pouvez pas être égal avec toutes vos épouses. Ça veut dire quoi ? Si on prend dans le sens littéral, on peut se marier avec 4 femmes, on garde une partie du verset et on se dit, voilà, la polygamie. Si on prend l'esprit du texte, on se dit que le Coran tend vers la monogamie parce qu'il est impossible d'être égal avec chacune de ses épouses, donc ça veut dire que la monogamie est obligatoire. Voilà, ça, c'est l'esprit. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Un dernier exemple, la part pour l'héritage. L'héritage a été un progrès. Avec la naissance de l'islam pour les femmes, le Coran, l'islam a donné un statut juridique aux femmes. Elles n'avaient aucune existence légale avant. Seulement, à l'époque, elles n'avaient droit qu'à une demi-part pour l'héritage par rapport à celle d'un homme. Culture patriarcale, culture clanique, etc. Voilà, ce n'était pas pensable qu'une femme puisse, à l'époque, dans leur mentalité, qu'une femme puisse avoir, déjà qu'elle ait une demi-part, c'était assez inconcevable pour beaucoup de gens à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas pensable, ce serait discriminatoire. C'est rétrograde de dire qu'une femme n'a droit qu'à une demi-part, alors que le Coran n'interdit pas que la femme puisse avoir plus. Ça, il indique qu'elle doit avoir ça, mais ce n'est pas dit qu'il est interdit qu'elle puisse avoir plus que ça. Donc, quand on prend dans le sens littéral, elle n'a droit qu'à une demi-part. Quand on prend dans l'esprit du texte, aujourd'hui, les musulmans disent bah, l'islam considère que la femme doit être respectée comme les hommes et qu'elle doit avoir une part entière par rapport à l'homme. Voilà. Donc, c'est tout le paradoxe des islamistes qui se considèrent comme plus pieux que les autres, alors qu'ils sont les premiers à dévoyer leur religion en pensant faire du littéralisme avec des textes qui sont incompréhensibles et inapplicables aujourd'hui. Un dernier exemple, ceux qui considèrent qu'il faut respecter le Coran et qu'ils partent du principe que le voile est une prescription coranique, donc déjà c'est contradictoire, mais admettons, moi c'est ça qui m'a toujours énervé avec ces personnes, c'est que c'est hypocrite, parce qu'elles sont sélectives en fait. Donc d'un côté, ils disent qu'il faut appliquer le Coran tel qu'il est parce que sinon, ce n'est pas respecter la religion. Mais de l'autre, ils sont les premiers à ne pas respecter tous les textes de leur religion puisqu'il y a des choses qui sont inapplicables. En France, par exemple, on ne peut pas couper la main des voleurs. On ne peut pas fouetter une femme ou un homme adultère parce que le Coran, c'est les deux. Hein. Les islamistes, c'est que les femmes, mais le Coran, c'est les deux. C'est une méthode barbare à nos yeux d'aujourd'hui. À l'époque, c'était la punition qui était comme ça. Donc, si on veut respecter à la lettre, alors il faut fouetter les femmes et les hommes adultères. On peut se marier avec des gamines, par exemple, parce que le Coran autorise le mariage avec des filles qui n'ont pas encore leurs règles. Donc, c'est pour ça que les littéralistes, les extrémistes, frères musulmans, salafistes, etc., ce sont des hypocrites. Et justement, c'est ce que je dis dans les livres, je retourne leur argument contre eux, et que... le Coran parle plusieurs fois des hypocrites, notamment par rapport à la tenue des femmes, où les femmes doivent être protégées de l'offense et tout, des hypocrites, machin. Et les hypocrites aujourd'hui, ce sont les islamistes. Ce n'est plus les non-musulmans qui luttent contre l'islam. Les hypocrites sont au sein de cette religion, et ce sont les extrémistes qui parlent en son nom, et ce sont les personnes qui prescrivent le port du voile qui sont les hypocrites de l'islam. On a bien vu avec Daesh, évidemment, la manière dont effectivement les musulmans, ce compris, étaient traités. Évidemment, ce n'est pas effectivement uniquement les mécréants qui font l'objet de la vindicte des extrémistes. Mais en fait, la question aussi que je me pose même en t'écoutant, c'est on sait très bien évidemment que, notamment en France, mais pas que, les officines islamistes peuvent effectivement, je dirais, proliférer assez librement. On a tous en tête évidemment le CCIF qui a été dissous, Baraka City, le OIF, l'Alliance citoyenne dont tu parles pas mal également sur ton blog avec les djihabeuses. Comment tu expliques en fait finalement que, en ce compris justement en Occident, ces extrémistes parviennent finalement à,
avoir l'autorité suffisante, en ce compris, je dirais, sur la tête des jeunes filles qui elles, a priori, sont déjà ici depuis un certain temps. C'est pas comme si elles étaient déracinées, elles sont ici, elles sont scolarisées. Et malgré tout, en fait, on a l'impression qu'elle reste effectivement extrêmement influençable, finalement. L'Occident offre une égalité, une émancipation, le droit à l'instruction, et d'un autre côté, elle reste soumise à des diktats, à des influences qui, pour le coup, peuvent paraître assez moyenâgeuses en termes d'égalité homme-femme, en tout cas. Oui, alors déjà, petite précision, Alliance citoyenne n'est pas la même chose que le CCIF-UEIF. CCIF-UEIF, ce sont des organisations qui sont totalement religieuses, malgré leur dénomination officielle, qui sont 100% frères musulmans. Voilà. Même si au sein du CCIF, il y avait des non-musulmans, c'est une association islamiste. Alliance citoyenne, non. Alliance citoyenne, c'est comme je le dis souvent, c'est une association qui fait la jonction entre une partie de l'extrême droite musulmane et de l'extrême gauche. Voilà. Donc, au sein d'Alliance citoyenne, il y a des militantes islamistes, mais Alliance citoyenne n'est pas une association islamiste. N'est pas une... Voilà. Ensuite, la question sur comment on en arrive à ce que des femmes se voient aujourd'hui, en fait, c'est un peu ça la question. Et ça aussi, justement, c'est le processus du livre pour arriver à ce fait-là. C'est que c'est toute la complicité de la propagande, en fait. Les femmes qui portent le voile, il n'y a pas de choix. Le libre choix, c'est un élément de langage. Il n'y a pas de libre choix dans le voilement. D'abord parce qu'il est présenté comme une obligation religieuse. Donc, à partir du moment où il y a obligation, il n'y a pas de choix. Mais l'art des islamistes, c'est de trouver les mots pour rendre positif ce qui est négatif dans leur sexisme et leur patriarcat, même chez les salafistes. Les salafistes sont caricaturaux, hein, mais par exemple, ils ne vont pas présenter le voile pour ce qu'il est, c'est-à-dire une prison mobile. Ils vont au contraire le présenter comme une forme de liberté. Ils ne vont pas le présenter comme quelque chose d'avilissant et dévalorisant pour les femmes, ce qu'il est, le voile, c'est ça. Ils vont le présenter comme quelque chose de positif, de valorisant. Ils ne vont pas dire que leur patriarcat, c'est donc quelque chose de discriminant envers les femmes. Ils sont injustes. Non, ils vont dire qu'ils sont comme ça parce que pour eux, la femme est une reine. C'est pour eux, donc leur interprétation de l'islam, ce qu'ils appellent l'islam, c'est la religion qui respecte le mieux les femmes. Et comment est-ce qu'ils font pour respecter le mieux les femmes? C'est de les cacher. Parce que qu'est-ce qu'on cache en fait? Tout ce qui nous est précieux. Donc au lieu de présenter la femme comme un objet sexuel, comme un sextoy sur pattes, qui attire la convoitise de ces crèvelafins qui sont les hommes, non, ils vont dire que la femme est un objet précieux, une perle, un bijou, et que le voile, c'est son écrin. Et comme dit Nader Abou Anas, qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas montrer son bijou? On le met dans un placard et on le ferme à double tour. Voilà. Et que c'est quoi une femme qui étale ses charmes comme on étale des légumes sur une étale dans un marché? Voilà. Pour eux, c'est ça le respect des femmes. Donc pareil, hein, la définition du respect, ce n'est pas la même, la leur, que celle du dictionnaire. Et donc, ils positivent tout ça. Et ils serinent tout ça et ils lisent ça, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'argument spirituel. Donc, ils vont parfois, comme un cheveu sur la soupe, poser le truc de « et comme ça, ma sœur, tu seras plus proche de Dieu », par exemple. Ils n'expliquent pas en quoi ce serait plus proche de Dieu, mais ils le disent pour justement poser l'emballage religieux, pour convaincre un peu les récalcitrants. Et donc, quand vous avez des prêcheurs, à la base, il y a quelques décennies, venaient du Moyen-Orient, du Maghreb. Aujourd'hui, les prêcheurs sont français. Et que des jeunes filles baignent dans cette idée-là. Quand les cours d'arabe ne sont plus donnés par des MJC, comme quand j'étais petit, ou par les consulats, mais par des mosquées, souvent tenues par des islamistes, ou par des centres culturels musulmans, qui sont souvent tenus par les frères musulmans. Et donc, la langue arabe s'apprend à travers le Coran. Et avec l'interprétation extrémiste de l'islam, donc des jeunes filles commencent à baigner là-dedans et ensuite en viennent à prétendre choisir elles-mêmes de porter le voile. Or, aucune femme au monde, quel que soit le pays, le milieu, ne se dit un jour, tiens, je viens d'avoir un truc de dingue là. Je viens de me réveiller et je viens de penser à un truc dont jamais personne ne m'a parlé, j'ai jamais rien lu de tel, mais un délire. Je vais me voiler pour le reste de ma vie à chaque fois que je croise un homme. Ça me prend comme ça. Personne, voilà. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a
un processus. Et l'élément de langage de ce processus, c'est mon cheminement spirituel. Voilà, c'est l'élément de langage. Alors qu'en fait, non, c'est une propagande sexiste et patriarcale qui est serinée pendant des mois, voire des années, pour convaincre la femme musulmane qu'elle n'a aucune autre possibilité que de celui de se voiler. Aucune autre possibilité. Parce qu'elle a soit le choix, qu'ils appellent un choix, entre le paradis et l'enfer, entre être une bonne musulmane ou pas, entre être pudique ou impudique, cette fameuse pudeur qui a été créée par des hommes pour l'imposer aux femmes et que des femmes s'approprient parce que, comme on leur dit, comme des hommes leur disent, mais si tu es pudique, tu seras une femme bien et respectable. Donc, franchement, en tant qu'être humain, je n'ai pas envie qu'on ne me respecte pas. Hein. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un de bien. Et donc, pour être quelqu'un de bien, il faut que je me cache sous un voile. Voilà. Donc, quand on vous serine ça, que vous allez gagner votre place au paradis, que si vous ne vous voilez pas, vous allez déclarer la guerre à Dieu. Déclarer la guerre à Dieu. Et que si vous voilez, vous allez plaire à votre créateur. Voilà. Il s'appuie sur aucun texte coranique. Hein. C'est leurs arguments pour convaincre les femmes de se voiler. Donc, en gros, très binaire et il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas de choix possible. Donc, c'est une décision, un consentement qui est pris à se soumettre à ce sexisme et à ce patriarcat. Voilà. Donc, effectivement, après, psychologiquement, il y a des femmes qui vont se dire « Moi, je me sens bien dans mon voile parce qu'elles ont été convaincues par les discours des hommes qui leur prescrivent le voile en disant « De toute façon, tu vas gagner ta place au paradis, tu vas être respectée, tu vas être une femme bien, une bonne musulmane, machin. » Et ça, ça prime sur la vie en société, ça prime sur l'emploi, ça prime sur le sport. Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes femmes aujourd'hui qui militent pour pouvoir porter le voile partout. Et c'est là aussi une des erreurs. C'est que, notamment les féministes intersectionnelles disent, c'est pour ça qu'ils partent du mauvais côté de la chaîne, en disant, mais elles disent que c'est leur choix. Non, il faut partir d'abord de l'autre bout de la chaîne pour comprendre comment s'est construit ce choix. Voilà. Et que si des jeunes filles sont dans l'impossibilité psychologique de retirer leur voile pour quelques minutes, c'est ça qu'il faut interroger, qui doit nous effrayer. Non pas des règles et des lois qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit le sexe ou la religion. Bon. Et donc là, il y a le discours des islamistes, mais il y a aussi, une fois que des jeunes femmes sont convaincues, elles deviennent à leur tour des éléments prosélytes pour les autres femmes. Soit des éléments prosélytes actifs, c'est-à-dire qu'elles vont convaincre, j'en ai connu, et j'en ai vu aussi, j'ai lu des réactions sur les réseaux sociaux et sur des forums, etc., et dans la vraie vie, des musulmanes voilées, militantes, qui vont convaincre d'autres filles de se voiler en tenant les mêmes discours que les hommes, mais en plus, elles sont des femmes et elles sont voilées. Donc, il y a l'exemple du visuel. Et puis, il y a aussi toutes les autres qui ne font pas de prosélytisme actif, mais qui, simplement par le fait qu'elles sont voilées, arrivent à convaincre, puisque ça installe une norme, c'est la visibilité, c'est la norme qui est installée, et à convaincre plus facilement des jeunes femmes de se voiler aujourd'hui. Et les musulmans, les jeunes musulmans, comme les non-musulmans d'aujourd'hui en France et en Europe, n'ont pas connu l'islam d'avant, ou le fait que moi, par exemple, je n'avais jamais vu de musulmane voilée, ni en Tunisie, ni en France, j'en avais jamais vu, quoi. C'était que des vieilles dames en Tunisie qui portaient le voile local, qui n'en est pas moins sexiste, hein, mais qui était justement en perte de vitesse parce qu'il était traditionnel et qu'il n'y avait aucune femme de moins de 50 ans qui portait ça. Personne ne portait ça. Et les plages, toutes les femmes étaient en maillot de bain. Et au fur et à mesure des années, le voile a gagné les rues. Les plages, j'étais frappé, j'en parle dans le livre, où avant, en fait, il y avait toutes les femmes en maillot. Et au fur et à mesure, quand je venais en vacances en Tunisie, je voyais les femmes se couvrir de plus en plus, jusqu'à un moment où elles étaient majoritaires à se baigner habillées, quoi. Mais les hommes, eux, n'ont pas bougé, hein, dans leur tenue. Par contre, les femmes, si. Voilà. Donc, et ça, c'est parce qu'il y a l'exemple de la visibilité, mais aussi la pression sociale, la pression de l'entourage. Contrairement à ce qu'on croit, la plupart des femmes, je parle de la France, ne sont pas forcées à se voiler par le père ou le frère, ou le mari. Non, elles sont forcées psychologiquement par les prédicateurs, à travers les livres qu'elles lisent, les conférences qu'elles écoutent, la pression sociale des copines qui sont voilées, et de leur dire « mais tu vas voir ma sœur, tu vas être épanouie ». Et depuis quelques années, et c'est tout le paradoxe, par une partie de la gauche. La partie de la gauche qui défend l'intégrisme musulman, qui ne parle plus de musulmanes extrémistes, ou d'islamistes, ou au pire de musulmanes voilées. Non, c'est musulmane tout court. C'est-à-dire qu'une musulmane est par définition une femme voilée. Mmh. Voilà. Donc tout ça fait que le voile se développe aujourd'hui. Et enfin, pour terminer, la cerise sur le gâteau, c'est l'argument identitaire. C'est-à-dire que les islamistes disent « Mateur, tu es discriminé en France », le même discours qu'on avait avec nous quand j'étais plus jeune.
Et il faut que tu affirmes ton identité. Le CCIF l'avait très bien expliqué d'ailleurs, je l'analyse dans le livre. Le fameux exemple de la femme nue pour vendre du yaourt, où le CCIF disait voilà des femmes qui ont dit non au mode de vie tel qu'il est pratiqué ici. Voilà. Donc il y a la notion de culture identitaire, alors que ce n'est pas culturel. Hein. Encore une fois, au Maghreb, le voile, le hijab, etc., c'est venu du Moyen-Orient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce n'est pas culturel au Maghreb. Tout ça, l'influence des islamistes par les prédicateurs. Ensuite, l'exemple de la visibilité, ce que les islamistes appellent la dawa, donc le prosélytisme, par la visibilité. Nader Abou Anas avait une très jolie formule, entre guillemets, qui dit que pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Voilà. C'est clair, net, précis, voilà, sans ambiguïté. Donc tout ça fait que ça a amené des jeunes filles aujourd'hui et des femmes à se voiler et à être dans l'incapacité psychologique de le retirer, comme justement, puisqu'ils aiment comparer à ça, comme retirer une simple casquette ou retirer un foulard, parce que le voile n'est pas un foulard, ou simplement, certains le comparent à une mini-jupe, ben, les femmes qui portent une mini-jupe portent la mini-jupe le lundi, pas forcément le mardi, selon la météo, l'activité du moment, l'envie, etc. Le voile, non. Le voile est en permanence. Et pas pour des questions ni de coquetterie, ni d'activité, mais simplement des questions morales rétrogrades, qui est que le risque de croiser un homme qui n'est pas de sa famille et donc la possibilité de le séduire sexuellement. Et tu expliques très bien, effectivement, j'ai envie de dire, pour le coup, l'envers du décor, c'est-à-dire l'envers de la pseudo-spiritualité, mon choix, ma liberté. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un argument aussi que j'entends de temps en temps, c'est mon chemin spirituel. Et donc, quand on a dit ça quelque part, si c'est son chemin spirituel, quelque part, c'est tellement intime que je ne peux plus, évidemment, y avoir accès à son chemin spirituel. Et donc, forcément, par ricochet, je ne vais pas comprendre. Et en même temps, quand j'entends ce genre d'argument, Naïm, je ne peux pas m'empêcher de me dire, moi, évidemment, en tant qu'occidental, comment faites-vous pour ne pas voir finalement que la première chose que les religieux font quand ils sont au pouvoir, c'est précisément et curieusement de rendre le voile obligatoire. Et on voit évidemment avec l'actualité récente en Afghanistan, ce que les talibans évidemment ont fait quand ils sont arrivés au pouvoir. La première des choses, évidemment, le premier prescrit religieux avec du coup la police de la morale pour s'assurer effectivement que les femmes sont voilées, c'est de fait de voiler les femmes, c'est de fait d'instaurer une non-mixité à l'université. Et tout ça, visiblement, en fait, ça n'a pas l'air d'être suffisamment éloquent, je dirais, pour faire tilt sur la tête des musulmanes en Occident qui elles, estiment justement que c'est leur propre choix et que finalement, c'est un prescrit coranique. Alors que quelque part, on voit bien effectivement que quand les religieux sont au pouvoir, du jour au lendemain, ça bascule, quoi. Les femmes sont dans l'ombre. Oui, alors, ce n'est pas seulement les musulmanes qui portent le voile, c'est aussi celles et ceux qui les soutiennent. Oui. Qui ont ce raisonnement. Et leur argument, c'est de dire, oui, mais justement, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Afghanistan, ce n'est pas la France. Donc, il faut comparer ce qui est comparable que, justement, obliger les femmes à porter le voile serait la même chose que d'obliger à le retirer. Voilà. Ça, c'est je ne trouve plus le terme en langue française, à chaque fois, je l'oublie, de vouloir trafiquer un propos pour trafiquer une réalité. C'est faux. D'abord, on ne peut pas comparer le fait d'obliger à porter le voile et le fait pas d'obliger de le retirer, mais de le retirer. J'explique pourquoi. Ce qui se passe ailleurs, effectivement, ça ne se passe pas en France. Il n'y a pas d'obligation de porter le voile, il n'y a pas de loi qui oblige les femmes à le porter. D'accord ? La France n'est pas l'Iran. Il n'y a aucune femme en France qui va être emprisonnée parce qu'elle ne porte pas le voile, contrairement à l'Iran, par exemple, où là-bas, le voile est obligatoire. Mais justement, ça montre ce qu'est le voile en réalité. Si quelque part dans le monde, il y a des femmes qui sont assassinées, qui sont menacées, qui sont emprisonnées parce qu'elles ne se voilent pas, ça ne change rien au fait que des femmes en France disent l'avoir choisi librement. Ça montre bien que le voile n'est pas un accessoire vestimentaire anodin. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a fait de loi pour obliger les femmes à porter une mini-jupe, puisqu'on compare avec la mini-jupe, ou pour obliger à porter un serre-tête. Aucune loi au monde n'impose à des femmes de porter un sac à main, puisque souvent on compare avec le sac à main ou avec des talons aiguilles. Non, le seul accessoire vestimentaire, quelque part dans plusieurs endroits du monde, qui est obligatoire, c'est le voile. Et le voile ne change pas de signification au franchissement des frontières. Il reste le même, seule sa présentation change. Mais son obligation ne bouge pas. La différence, c'est que dans certains pays, c'est une obligation d'État, alors que dans d'autres comme les France, c'est une obligation entre guillemets religieuse, dictée par les prédicateurs à travers les conférences, etc. Parce que dans la tête d'un croyant, d'une croyante,
la punition divine est bien plus grave que la punition terrestre. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que des femmes refusent d'enlever leur voile puisqu'elles considèrent que c'est leur obligation religieuse. Donc encore une fois, il n'y a pas de choix. Et que si elles l'enlèvent, elles prennent le risque d'aller brûler en enfer. Donc mieux vaut avoir des problèmes, refuser un emploi en France, ne pas avoir accès au sport en France, plutôt que de risquer les flammes de l'enfer pour l'éternité. Ça. Mais ça, c'est ces femmes-là qui pensent comme ça. Ça n'est pas venu tout seul. Elles ne l'ont pas inventé. Ce sont des hommes prescripteurs du voile qui le leur ont dicté. Voilà. Donc le voile ne change pas de signification au changement des frontières. Ensuite, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer l'obligation d'un côté et le fait d'obliger, entre guillemets, à le retirer de l'autre. Il n'y a pas d'obligation à retirer le voile en France. Il y a des moments, il y a des zones où le voile n'est pas autorisé, comme tous les autres, puisque certains disent que c'est un signe religieux, comme tous les autres signes religieux. Ce n'est pas une discrimination qui cible une partie de la population en raison de sa foi. La loi s'applique à tout le monde. La différence, c'est que ce sont les islamistes qui mènent toutes ces offensives. Voilà. Et ensuite, pour se dire que, vous voyez, on est discriminé. Mais non, la loi s'applique à tout le monde. Seulement, c'est vous qui faites le plus de bruit, quoi. Voilà. Donc, les hijabeuses, dans le football, il n'y a aucune intégriste juive ou catholique qui milite pour apposer une croix géante ou je ne sais quoi sur les terrains de sport. Il n'y a que des militantes islamistes qui font ça. Aucun autre intégrisme religieux en France ne mène de telles offensives, ni en Europe d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que, en plus de ça, dire que tout est comparable, c'est justement ignorer ce que je n'arrête pas de marteler, c'est les origines du processus. Voilà. Donc, il n'y a pas de choix de porter le voile, je le martèle, je le répète, il n'y a pas de choix. Donc, dire que oui, mais il faut laisser les femmes libres de leur choix, mais si aucun homme ne prescrivait le voile, aucune femme ne le porterait. C'est la question effectivement sur laquelle il faut effectivement s'interroger. Et un autre aspect que je voulais aborder avec toi, Naïm, c'est la question finalement de se dire, mais est-ce que l'Occident quelque part n'est pas responsable de la situation? En d'autres termes, finalement, est-ce que lui-même n'a pas engendré le communautarisme et générer finalement cette fracture sociale entre, tu en parlais un tout petit peu, hein, entre les personnes qui sont effectivement d'origine entre guillemets musulmane et le reste de la population, et cette difficulté d'intégrer les uns et les autres, que les uns et les autres effectivement aient la possibilité de se parler sans être renvoyés justement à leurs origines. Est-ce que pour toi c'est une des causes possibles, voire la cause majeure, voire uniquement la cause qui est mise en avant pour justifier le port du voile et quelque part pour victimiser l'Occident? Enfin, comment tu te situes par rapport à cette question-là? Alors déjà, oui, il y a une partie de responsabilité dont tu viens de faire, sans t'en rendre compte, une démonstration. Parce que tu as parlé des gens d'origine musulmane. L'islam n'est pas une origine, c'est une religion. D'origine maghrébine, voilà. Donc dire qu'il y a des gens d'origine musulmane, c'est une assignation identitaire. C'est d'être musulman comme on est d'origine maghrébine, c'est dans notre ADN. Voilà. Et donc, il y a l'impossibilité de pouvoir s'en défaire, et donc de devenir athée ou de changer de religion. Dire qu'il y a des gens d'origine musulmane, c'est renier le principe de laïcité, puisqu'on supprime la liberté de conscience. Voilà. Puisque de toute façon, on est musulman de fait, donc on n'a pas une question de conscience. On en parlait tout à l'heure, effectivement, d'où le fait de savoir si ça justifie, entre guillemets, le fait que le voilement soit réellement apparu comme étant finalement généré par justement cette assignation qui n'a pas lieu d'être. Oui, alors voilà, donc je vais y venir. Donc c'est vrai que il y a cette assignation là qui est faite maladroitement par beaucoup de gens en parlant d'origine musulmane. Avant on disait d'origine maghrébine, hein. Il y a encore 20 ans, l'expression origine musulmane n'existait pas, hein. Bon, mais il faut d'abord observer ce qui se passe dans les pays musulmans. Le voile, l'islamisme, est bien plus développé dans les pays musulmans. Donc, il n'y a pas l'histoire de discrimination, de racisme, etc. Dans les pays musulmans, c'est là où l'islamisme prospère le mieux. Donc, déjà, il faut regarder ça. Donc, le problème à la base, il vient à l'intérieur de l'islam lui-même. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'école embalite, l'école salafiste, frère musulman, qui domine l'islam aujourd'hui. Donc, le problème vient d'abord de l'intérieur de l'islam. Tant que l'islam ne se sera pas réformé, on sera toujours confronté à ça. On posera des pansements sur une jambe de bois, on écopera à la petite cuillère, on peut prendre toutes les images, les paraboles qu'on veut, mais rien ne changera tant que l'islam ne sera pas réformé. Donc déjà, là, c'est la base. Ensuite, effectivement,
en France, notamment en Europe, mais surtout en France, c'est là où il y a le plus de musulmans en Europe, proportionnellement à la population. Et en fait, la population d'origine maghrébine, d'origine turque, a été placée pour différentes raisons à certains endroits géographiquement. Et au départ, il y avait parfois une mixité, pas toujours, mais même ce qu'il y avait au départ comme mixité a presque disparu aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont les mêmes origines, la même culture, la même religion. Et ça permet effectivement de prospérer. Et le point commun entre justement ce qui se passe en France et la situation de l'islam dans les pays musulmans, le point commun, c'est le social et l'économique. C'est-à-dire que les extrémismes, qu'ils soient politiques ou religieux, prospèrent face à la misère. Et que donc la misère est le terreau de tous les extrémismes, du terrorisme politique, du terrorisme religieux, du terrorisme ce qu'on veut, de la radicalité politique, de la radicalité religieuse, l'islamisme ne fait pas exception. Donc les frères musulmans se sont développés surtout grâce à l'aide alimentaire, au cours de soutien scolaire en Égypte, à la santé gratuite pour tous, tout ce que l'État ne faisait pas, les islamistes le prenaient en charge. Voilà. Et donc, ça permettait de faire passer leur discours. C'est pareil au Maghreb, c'est pareil au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et c'est pareil en France. Donc, plus il y a des zones qui sont ghettoisées et pauvres, et plus l'intégrisme religieux peut prospérer. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi, et c'est là que la France a effectivement sa part de responsabilité. D'abord, la société française, comme je le disais au début, de toujours nous renvoyer à nos origines, ça saoule. Même les gens qui ne sont pas racistes, mais aussi la ghettoisation urbaine où on met les gens les plus pauvres et qui sont, encore une fois, d'origine étrangère au même endroit. C'est pour ça que certains font le parallèle avec la délinquance, par exemple, et disent, voilà, notamment à l'extrême droite, comme par hasard, les délinquants sont d'origine étrangère. Enfin, la majorité des délinquants seraient d'origine étrangère. Mais ils mettent de côté tous les autres critères. Ce n'est pas qu'ils sont d'origine étrangère, ce n'est pas ça leur point commun. Leur point commun, c'est qu'ils sont d'origine précaire, d'origine sociale pauvre. Alors, attention, ça ne justifie ni l'intégrisme religieux, ni la délinquance. Je ne parle pas de justification ou d'excuse, je parle d'explication. Et il faut comprendre un phénomène pour pouvoir y apporter les réponses adéquates. Voilà. Et qu'effectivement, une des solutions pour lutter contre l'islamisme, comme pour lutter contre la délinquance, c'est de casser ces ghettos urbains. Et aujourd'hui, avec la loi contre le séparatisme qui est nécessaire, avec d'autres dispositifs, comme on fait comme pour la délinquance, c'est-à-dire on va faire des lois, donc de la répression, des contrôles, mais on ne va pas s'attaquer, ou très peu, à la base, à la source, parce que ça demande beaucoup plus de boulot, et c'est sur un temps qui est extrêmement long. Les islamistes, je le dis dans le livre, travaillent les quartiers populaires depuis des décennies. Donc ce n'est pas sur une période électorale, sur un mandat, une durée d'un mandat, qu'on va changer les choses ou par une loi. Donc là, en fait, les lois ne servent qu'à écoper, encore une fois, qu'à essayer de contrôler le bout de la chaîne, mais sans traiter la base du problème. Voilà. La base du problème, elle est économique et sociale, elle est ces ghettos urbains qu'il faut casser, et ça permettra aux religieux d'avoir moins d'arguments sur leurs ouailles, entre guillemets. Et puis aussi, il est international. Encore une fois, l'islamisme, c'est une idéologie internationaliste, mondialiste plutôt, pas internationaliste, mondialiste. Et donc, il y a aussi les influences, on parle beaucoup de ça à la télévision, dans les médias, l'influence du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et puis la construction de l'islam de France, où il y a encore l'islam du Maghreb qui est fortement influent. Donc, il y a aussi tout ça qu'il faut réussir à casser. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la réforme de l'islam pourrait venir de l'Europe, pourrait venir notamment de la France. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement la laïcité. Que dans les pays musulmans, c'est tellement phagocyté par les intégristes, que j'en parle dans le livre, que toute voix dissonante, les musulmans progressistes, certains peuvent être agressés physiquement, assassinés, ou en tout cas mis au banc, et considérés comme des traîtres, ou des apostats, ou des choses comme ça. Des athées, c'est l'insulte suprême, des athées, des choses comme ça. Alors qu'en France, il y a la possibilité, c'est quand même difficile, hein, parce que les islamistes contrôlent encore une fois le culte, mais il est possible que l'islam progressiste puisse se développer. Par exemple, il y a quelques imams, elles ne sont pas nombreuses, hein, elles se comptent sur les doigts d'une main, hein, quelques imamas, donc des femmes imams, en France, il n'y en a aucune au Maghreb. En tout cas, je n'en connais pas, j'en ai jamais entendu parler.
Voilà. Et il n'y en a pas en Égypte, il n'y en a pas au Qatar, il n'y en a pas en Arabie Saoudite. Donc c'est en France que c'est apparu, et en Allemagne aussi. En France et en Allemagne, et puis je crois aussi du côté d'Amsterdam, enfin aux Pays-Bas, je crois aussi. C'est en Europe que ça peut se faire parce que justement, il y a cette liberté de croyance, cette liberté de conscience et cette liberté religieuse qui peut permettre à l'islam de se réformer. Ça serait plus difficile, par exemple, à l'université El-Azhar d'Égypte, du Caire, où là, pareil, c'est très ultra conservateur. Et en fait, en résumé, l'islam d'aujourd'hui vit son Moyen-Âge, vit le Moyen-Âge que le christianisme a connu. Voilà, on est en plein dans cette période. Et qu'un islam éclairé, un islam des Lumières pourrait apparaître depuis l'Europe. C'est ça. Et la question que je te pose, et tu l'as déjà un petit peu abordée, mais je ne sais pas s'il y a des éléments supplémentaires que tu souhaiterais effectivement encore pointer, mais c'est vrai que la question qu'on se pose tous actuellement, c'est la question de savoir justement, au vu de la montée de l'islamisme partout en Europe notamment, comment espérer en sortir finalement ? Par quel moyen prendre les choses. On voit régulièrement de l'actualité, ce ne sont plus des faits divers, mais c'est vraiment évidemment problématique, c'est inquiétant et c'est interpellant. C'est évidemment la décapitation de Samuel Paty, c'est le fait qu'en démocratie, les islamistes prolifèrent avec leurs menaces et finalement, ce sont les victimes qui se retrouvent sous protection judiciaire, policière, hein, je pense notamment évidemment à Mila, mais également à l'avocat Richard Mal. Il y a des professeurs effectivement qui ont du mal finalement à donner des cours en professant justement simplement je dirais la laïcité à la française. Donc comment faire en sorte à un moment donné que l'on sorte de cela et qu'on sorte de toutes ces tensions. Tu sais très bien aussi qu'elle est jalouse, la facilité finalement qu'elles peuvent avoir à se rendre dans une piscine et du coup à se faire aussi médiatiser parce que les médias sont quelque part toujours disposés à donner une certaine médiatisation à ce type d'affaires, ce qui finalement donne aussi une visibilité. Et donc comment faire en sorte qu'on puisse espérer sortir petit à petit de ce clivage qui finalement tend à gangréner nos démocraties et à rendre effectivement l'islamisme de plus en plus visible et de plus en plus prégnant dans les sociétés occidentales en particulier. Alors déjà sur le plan religieux, je parlais des femmes imams. Je précise que justement, ces femmes imams, aucune ne porte le voile et toutes considèrent que ce n'est pas une prescription religieuse, mais un héritage culturel patriarcal, puisqu'elles sont... Elles font partie de cet islam dont je parlais, l'islam progressiste, rationaliste, et elles ont la même lecture, c'est moi qui ai la même lecture qu'elle du Coran, en fait on a la même lecture, elle et moi et elle, du Coran. On en est arrivé à cette conclusion que le voile n'est pas une prescription religieuse. Il faut que l'État soit vigilant à justement insérer dans la construction de l'islam de France ces musulmans et ces musulmanes-là. Je pense que il y a notamment une imam qui a écrit des ouvrages, qui s'est médiatisée, Madame Baloul, et elle aussi regrette qu'elle ne soit pas mieux entendue. Et effectivement, elle rencontre des freins, parce que c'est un milieu très patriarcal par définition, hein, la religion, donc elle rencontre des freins au sein de la religion en France, des instances religieuses musulmanes en France, et il faut que l'État puisse favoriser la présence des musulmans progressistes et notamment de ces femmes-là dans la construction de l'islam de France. C'est fondamental. Ensuite, par rapport à ce que tu disais sur la pression sur le monde laïque dans le sens non religieux, les journalistes, les choses comme ça, il y a plusieurs formes de pression. Il y a bien sûr les attentats, les assassinats, que ce soit Charlie Hebdo, que ce soit Samuel Paty ou d'autres, les menaces de mort. Mais il y a aussi... ce que j'appelle le cordon sanitaire créé par une partie de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain et même sur les réseaux sociaux, c'est que une bonne partie des offensives de l'islamisme politique ne sont plus menées par des islamistes directement, mais par leur soutien. Par exemple, Agence Citoyenne, qui n'est pas une association religieuse, mais qui est aujourd'hui l'association qui fomente le plus d'offensives islamistes politique en France, et toujours à travers le même moyen, le port du voile. Parce que le voile, je le rappelle, c'est l'outil politique central des islamistes. Et donc, sur le terrain, personnellement, je suis plus souvent confronté aujourd'hui
à des gens d'extrême gauche qu'aux islamistes eux-mêmes. Les insultes que je peux recevoir, c'est souvent des militants d'extrême gauche, pas des islamistes. Et que ce soit des partisans d'Europe Écologie Les Verts, surtout la France Insoumise, mais aussi des anarchistes, enfin des libertaires, c'est paradoxal, hein, mais qui se font des alliés d'une extrême droite religieuse. Il faut réussir à casser ce cordon sanitaire qui protège l'islamisme pour justement pouvoir mieux lutter contre l'islamisme-là. Donc, je pense à Jean-Luc Mélenchon et LFI en général, moi qui suis de gauche, je me suis senti... Et j'habite un quartier populaire, je suis d'origine maghrébine, et j'ai toujours été de gauche, toujours travaillé dans l'éducation populaire, associatif, etc. Mais là, la trahison, c'est horrible. Et à chaque fois qu'il s'exprime sur ces sujets-là, c'est un couteau qui plante dans l'eau, quoi. Donc, cette confusion entre musulmans et islamistes et que toute mesure contre les intégristes musulmans, c'est considéré être comme une attaque contre tous les musulmans. Donc, ça veut dire que tous les musulmans sont des islamistes. Et ce qui permet à l'extrême droite de prospérer, puisque dire, voilà, Mélenchon a raison, musulmans islamistes, ça veut rien dire. Ils sont tous un bon musulman, c'est forcément quelqu'un d'islamiste. Voilà. Et ils étouffent la foi des ex-musulmans ou des musulmans non pratiquants ou des musulmans progressistes dans les quartiers populaires, puisque déjà, on avait la pression des islamistes, et maintenant, on n'a plus le soutien de cette frange de la gauche, et maintenant même, ils participent à la pression que nous mettent les islamistes, quoi. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens se disent « Mais ils sont où, les musulmans progressistes? On ne les entend pas. » Ben ouais, mais parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, ils se ramassent une gifle. Donc, forcément, ça ne pousse pas à s'exprimer, quoi. Mmh. Donc, des imams Chagoumi, il n'y en a pas 50 hein, qui ont ce courage-là. C'est ça, voilà. Oui. Donc, ça, c'est une chose. Et puis aussi, que je me rappelle de ta question. Pour les solutions pour lutter contre l'islamisme, donc il y a la ghettoisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et puis, il y a aussi les pressions qu'on subit. Voilà. Les pressions qu'on subit, parce que je m'inclus dedans, il y a les menaces de mort et tout ça. Mais il y a aussi l'extrême gauche. Et il y a enfin les médias. C'est-à-dire qu'il est très difficile. Très difficile pour les personnes comme moi de pouvoir avoir des oreilles attentives, même au niveau des politiques. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que je constate un plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser, nous, dans les quartiers populaires. Là, par exemple, là, je suis en plein dedans, c'est que je suis sanctionné par Twitter. En fait, je suis censuré par Twitter. Parce qu'il y a eu un raid numérique de signalement pour essayer de me faire taire. Parce que comme je ne suis pas virulent, je n'attaque personne, ad hominem, je suis dans l'analyse, dans les choses comme ça, donc les adversaires en face n'ont pas de prise sur moi. En plus, je suis d'origine maghrébine, de culture musulmane, je vis dans un quartier pauvre, je coche toutes les cases de la parfaite victime pour eux. Donc, ils ne peuvent pas m'attaquer sur ces choses-là. Je ne suis pas bourgeois blanc ou je ne sais quoi. Donc, la seule chose, c'est essayer de limiter mon audience, ou au mieux, que je ne puisse plus être audible. Et donc, il y a eu une campagne de signalement pour me faire taire. Et donc, Twitter, en fait, a sanctionné mon compte. Et donc, j'ai une visibilité aujourd'hui qui est très limitée. C'est considéré comme un compte sensible ou possiblement offensant. Mon compte Twitter, donc, quasiment plus personne ne peut le voir. Voilà. C'est ça. Et voilà. Ce qui fait que les alertes, les analyses que je peux faire pour alerter sur l'islamisme sont étouffées aujourd'hui par Twitter. Voilà. Qui devient finalement un soutien de l'intégrisme musulman. Indirectement. Au-delà de ça, c'est que même au niveau des universalistes, je suis universaliste et laïque, mais même au niveau des universalistes, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, qui nous donne la parole aujourd'hui? LFI, pas, un peu Europe Écologie Les Verts, mais pas trop parce que c'est plutôt des bobos, mais surtout la France Insoumise, le NPA, tous les pro-islamistes, les racialistes. Voilà. Si quelqu'un des quartiers populaires veut s'exprimer dans un média national, il va voir le Média TV, le truc de la France Insoumise, et il va Mediapart, les médias comme ça, qui ne sont pas universalistes, ou le Bondy Blog. Ils vont pouvoir être entendus par des médias qui ont plus d'audience que une chaîne YouTube ou un blog ou des trucs comme ça. Alors que les universalistes, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que les universalistes se gargarisent d'universalisme, l'égalité, tout le monde vivre ensemble, machin, et c'est en ça que je me reconnais, mais ne le mettent pas forcément en pratique. Et c'est d'ailleurs ça qui avait expliqué la naissance de Ni Pute Ni Soumise, puisque le féminisme universaliste s'arrêtait aux portes des quartiers,
Donc, Elisabeth Badinter et tout ça, moi, je me reconnais pleinement dans ses propos, Gisèle Halimi et tous les universalistes, les féministes universalistes, c'est ça qui m'a poussé à être féministe, c'est leur discours, mais juste leur discours, pas leurs actes. Et c'est ça, c'est ce que reprochent les racialistes, et c'est ce sur quoi surfent les islamistes, c'est de dire que l'universalisme, c'est du vent, en fait. C'est une colonisation nouvelle, c'est la discrimination parce que c'est des discours, et en fait, dans le concret, il n'y a rien qui change. Et c'est ça qui a permis la naissance, qui a permis le développement de l'islamisme, mais aussi la naissance des... le développement, pardon, de l'intersectionnalité, féminisme intersectionnel dans les quartiers, donc ce féminisme relativiste, des racialistes, des indigènes de la République, et tout ça. Et j'avoue que même moi, parfois, j'en peux plus, parce que je me dis... je vais basculer aussi, il y en a marre, quoi. Mais comme justement, j'ai les valeurs de la République, je vis au corps, que je ne suis pas croyant, donc je suis protégé de ça. Mais il y a plein de gens que je connais qui ont basculé, alors qu'à la base, ils étaient universalistes, mais ils ont basculé parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on n'est pas respecté. Donc quand vous avez des intellectuels ou des personnes politiques qui, de tout en haut, sur les chaînes de télévision, dans les grands médias comme le journal Le Monde, etc., parlent d'universalisme, il faut lutter contre l'islamisme, luttons contre l'islamisme, mais que dans les quartiers, ceux qui luttent directement contre les islamistes, on ne leur donne pas la parole, on ne les aide pas, voilà. Ceux qui lui donnent la parole, c'est ceux qui sont à la France insoumise, hein. Ce n'est pas ceux qui sont au Parti socialiste ou à la République en marche. Alors, je caricature un petit peu, hein, parce que tout le monde n'est pas comme ça dans ces partis, attention, mais je parle de tendance générale. Quand vous avez d'un côté Marlène Schiappa ou d'autres du gouvernement qui parlent justement de vivre ensemble et d'universalisme, mais qui n'ont aucun contact dans les quartiers populaires, alors que les racialistes comme Daniel Obono, eux, ont toutes les portes ouvertes dans les quartiers, c'est bien qu'il y ait un problème. Voilà. Et que les alertes que je passe, il y a une sorte, moi personnellement, mais d'autres aussi, moi je suis assez particulier parce que je vis dans les quartiers, je suis un intellectuel, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui font ça, vous avez des militants associatifs, des femmes, des hommes qui sont de toutes origines, y compris maghrébines, de culture ou de confession musulmane, qui sont profondément laïcs et républicains et qui travaillent dans les quartiers, qui sont confrontés aux islamistes, mais on ne leur donne pas la parole. On ne leur donne pas la parole. Et ceux qui viennent les voir, ceux qui viennent nous voir, c'est les bons du blog et les trucs comme ça, quoi. Donc, c'est pas... et c'est tout le problème. Il faut que les discours se transforment en actes. Il faut que les grandes associations laïques nationales, les grandes associations antiracistes, que ce soit la LICRA, SOS Racisme, c'est un peu différent, ils sont aussi un peu dans les quartiers, mais la LICRA, etc., il faut qu'ils arrêtent de rester dans leur bureau parisien et de parler de tout en haut. Il faut que l'universalisme se transforme en actes. L'universalisme, c'est un concept, c'est un idéal à atteindre qu'on n'atteindra jamais par définition, c'est une utopie, mais c'est un guide. C'est un guide, mais il faut essayer de le mettre en pratique. Or là, ça n'est pas le cas. Voilà. Et que moi, comme d'autres, parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement ma parole à moi, c'est aussi le vécu d'autres personnes dans les quartiers, c'est qu'on est tout seul. On est tout seul. Parfois, on nous donne un peu la parole, mais c'est tout. Et même dans les médias, on est considéré comme des sources. On n'est pas considéré comme les égales des journalistes ou comme les égales de tel ou tel. On est, voilà, c'est un peu, si tu veux, comme si des journalistes venaient en territoire étranger dans les quartiers, venez faire leur reportage et puis après ils s'en vont, que ce soit les politiques aussi d'ailleurs, pareil, et puis après ils s'en vont, et puis après au quotidien, bah, chacun sa merde, quoi. Ouais. Voilà. Donc non, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut de l'universalisme, si on veut lutter contre l'islamisme et contre le séparatisme, il faut qu'il y ait un vrai vivre ensemble, pas seulement dans l'habitat, mais aussi dans les luttes qu'on mène. Voilà. Et de cesser de nous considérer avec condescendance et mépris, comme quoi on est des provinciaux de quartiers populaires et qu'on parle en notre nom et à notre place, et là, les mots que je dis, c'est aussi les mots des racialistes et qui justifient justement le séparatisme, et c'est ceux-là qui aujourd'hui se font le plus entendre, parce que ce sont eux qui crient le plus fort, de dire, voilà, nous prenons notre destin en main, on en a marre qu'on parle à notre place, et on va le faire nous. Et malheureusement, ce n'est pas à travers l'universalisme qu'ils le font, puisqu'ils ont été déçus, mais c'est à travers le racialisme et la différence de chacun. C'est ça. Et tu évoques finalement en filigrane la question de la minorité extrêmement agissante et finalement le ventre mou en face qui de fait est incapable de faire unité, du coup de faire universalité. Et on l'a vu aussi à travers l'actualité encore toute récente sur ce documentaire à Roubaix où la journaliste effectivement et une personne qui avait parlé à visage découvert se sont fait effectivement violemment
vilipendé pour dire les choses encore gentiment. Et là, je trouve que c'était ça qui est intéressant aussi, et ça rejoint ce que tu dis. Richard Malka disait, mais il faut absolument que tous les journalistes en fait diffusent ce reportage. Il faut faire l'unanimité. À ce moment-là, il n'y a plus la possibilité de mettre une cible sur une personne, mais effectivement, il y a une unanimité qui fait bloc. Et c'est effectivement ce que tu dis très bien, Naïm, ce qui manque. Mais du coup, pour revenir un instant à ton livre, avant de s'acheminer vers la fin tout doucement, ton livre, j'ai envie de dire, heureusement, c'est très bien ainsi, à trouver un éditeur, mais ma question est de savoir du coup comment il est reçu ton livre depuis sa sortie. Toujours un peu ce plafond de verre. Mmh. J'ai la chance d'avoir trouvé un éditeur qui les éditions Céramis, qui m'ont fait confiance. Le problème, c'est que il n'est pas toujours présenté, parce qu'en fait, il y a des diffuseurs, il y a des représentants qui font la promotion des livres auprès des libraires et tout ça. Il n'est pas toujours bien présenté. Parfois, il n'est même pas présenté du tout. Je suis à Grenoble, je suis allé voir les librairies pour essayer de voir si le livre a été présenté. Parfois, il ne l'est pas du tout par le diffuseur. Donc, il y a déjà, c'est ce que j'ai appris dans le milieu de l'édition, ce n'est pas spécifique à moi ou aux gens des quartiers, hein, c'est le milieu de l'édition qui est comme ça, c'est qu'on donne priorité à certains livres, ceux qu'on pense qui vont bien se vendre plutôt que d'autres, parce que les librairies ne peuvent pas tout contenir, tout ce qui sort. Voilà. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi le sujet traité. Le sujet traité, parfois, ça peut gêner. Donc déjà, ça pose question. Pourquoi est-ce qu'un sujet sur le voile et sur l'aspect féministe du voile, ça inquiète ou ça gêne? Donc, il y a bien un souci, quoi. Et puis enfin, c'est parce que, comme je n'ai pas le réseau, c'est très difficile pour moi de faire parler du livre, mais j'ai la chance comme je suis dans ce milieu-là depuis quelques années, de connaître un petit peu, que des gens me connaissent. Et à la fois, quand je parle que les universalistes ne sont pas très solidaires, il y a des exceptions. Raphaël Enthoven a parlé de mon ouvrage sur LCI. J'ai eu toute la presse qui a parlé du livre, ce ne sont que des critiques positives. Hein. Il y a eu le Figaro Magazine, il y a eu Marianne, il y a eu Franc-Tireur, la Revue des Deux Mondes. Donc, ils en parlent. Donc, tous les livres n'ont pas la chance d'avoir cette couverture médiatique et cette couverture positive de la presse. Et là, bientôt, j'espère, je ne sais pas si ça va être le cas, mais peut-être le Monde des Religions aussi, mais je ne sais pas encore. Bientôt, il y a la RTBF, donc en Belgique aussi, qui veut m'entretenir. Donc voilà. Donc il y a ces ouvertures-là, mais paradoxalement, il y a aussi une sorte de plafond de verre. D'abord parce qu'en face, ils font tout pour ne pas parler de livres. Donc, Alliance citoyenne au niveau local, mais aussi les acteurs entre guillemets nationaux me connaissent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont très vite bloqué sur les réseaux sociaux. Et ils font tout pour qu'on ne parle pas du livre. D'ailleurs, il y en a certains peut-être qui ont contribué au raid numérique pour me faire taire. Donc, il y a cette volonté de ne pas parler de moi. Voilà. Il n'y aura jamais d'article sur mon livre dans Mediapart. Voilà, parce que c'est trop féministe, trop laïque. Bon, je suis un peu taquin, mais voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Je rencontre en fait les difficultés que tout auteur, quel que soit le sujet, rencontre. Et se rajoute à ça mon lieu de vie. Si j'étais à Paris, c'est ça aussi le paradoxe français, c'est qu'on est très jacobin. Hein. Donc, tout est centralisé sur Paris. Combien de fois j'ai dû refuser, je n'ai pas pu me rendre sur des plateaux télé parce que je suis à Grenoble. Alors aujourd'hui, avec Skype et la modernité, c'est un peu plus facile, mais je peux comprendre, les journalistes préfèrent que les gens soient en plateau. Et donc, c'est pour ça que sur les plateaux télé, en général, quel que soit le domaine qui est abordé, ce sont des gens qui habitent autour de Paris ou qui sont spécialement sur Paris. Voilà. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément ni les plus compétents ou les moins compétents, c'est simplement ceux qui sont disponibles. Voilà. Tout ça fait que c'est très, très difficile. C'est un peu frustrant parce que, bon, d'abord, j'ai énormément travaillé pour cet ouvrage et que l'enjeu est colossal. C'est pas pour faire ma propos à moi, c'est parce que le contenu de livre permet de comprendre les enjeux qu'il y a autour du voile et que toute personne qui voudrait savoir ce qui se passe avec les hijabeuses, le burkini, d'où ça vient, pourquoi, etc., de mesurer l'importance de ça, il faut lire ce livre, quoi. Et quand j'entends des politiques qui disent n'importe quoi sur le sujet, qui parlent d'islamisme radical, qui parlent de libre choix, qui parlent sous prétexte de tolérance, etc., parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je considérais que mon livre a atteint son objectif quand des personnes en responsabilité politique l'auront lu et ça cheminera dans leur esprit pour justement adapter leurs actions, que ce soit à travers les lois ou même simplement des actions sur le terrain, des projets, où ce qu'il y a dans le livre pourrait les guider.
Voilà. Et aussi pour des acteurs associatifs, pas simplement politiques, et pour des médias qui arrêtent de parler d'islamisme radical, pour ça, enfin, c'est ridicule, quoi. Et de parler de foulard au lieu de parler de voile. J'explique la différence dans le livre entre foulard et voile. Si je peux me permettre, justement, de faire cette petite aparté sur le foulard et voile, c'est que le voile, j'explique la genèse de ce mot, l'origine de ce mot et l'origine du mot foulard. Et que le foulard, c'est quelque chose de décoratif, c'est quelque chose de culturel qui peut se porter un jour ou pas pour des raisons pratiques, pour protéger ses cheveux. Des hommes portent un foulard, des bikers portent un foulard, un bandana, etc. Et c'est vraiment soit par coquetterie, soit pour des raisons pratiques. Le voile, le mot signifie de cacher de la vue d'autrui. D'ailleurs, hijab, en langue arabe, signifie séparation. C'est plus exactement quelque chose qui sépare de la vue de l'autre. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on installe un tissu transparent devant une porte ou une fenêtre pour cacher l'intérieur de ce que peuvent voir les passants, ça s'appelle un voilage, pas un foulardage. Quand des nuages cachent le soleil, on dit que le soleil est voilé, il n'est pas foulardé, parce que ça cache, et ça cache de la vue de l'autre. L'objectif du voile, c'est de cacher de la vue d'autrui. Voilà. Donc, voile et foulard n'ont rien à voir. Et j'explique encore plus, je donne d'autres exemples. Et comme par exemple, quand quelqu'un révèle une affaire, on ne dit pas « tiens, il a défoulardé une affaire ». On dit « il a dévoilé une affaire ». Parce qu'il montre une affaire qui était cachée. Voilà. Donc, voile et foulard n'ont rien en commun. Ni par leur taille, ni par leur histoire, ni par leur fonction, ni par Grace Kelly pour aller porter un foulard sur quelques photos, dans quelques films. Le reste du temps, il ne portait pas de foulard. Le voile, lui, se porte en permanence et il n'a pas du tout la même longueur. Le foulard peut permettre de laisser voir les cheveux. Une partie des cheveux, puisque l'objectif n'est pas de cacher les cheveux absolument. Bon, alors que le voile, il cache tout. Le foulard peut être transparent. Le voile, non. Voilà. Donc, et c'est tout ce que j'explique dans le livre. Ouais. Et c'est tout ce qu'il faudrait que la société sache pour justement être beaucoup plus juste dans les réactions qu'on peut avoir vis-à-vis du voile. Voilà. Et c'est à partir du moment où on est juste qu'on cessera soit la complaisance, soit justement les offensives parfois hors sujet vis-à-vis de l'islam en général et des musulmans aussi en général. Voilà. Et c'est mon souhait le plus cher. Et c'est pour ça que j'espère qu'un jour, ce plafond de verre va exploser. Mais c'est aussi une question de travail. Hein. C'est aussi à moi d'essayer de me faire entendre comme tout le monde, comme tous les auteurs, comme tous les lanceurs d'alerte. Oui, mais écoute, Naïm, je te remercie parce qu'effectivement, tu as une parole, je trouve, qui est claire, qui est argumentée, qui est paisible, et puis une parole libre, ça fait aussi du bien aussi à entendre, parce que je pense que beaucoup de personnes se posent des questions et n'ont pas toujours les éléments de réponse, même effectivement quand on est de bonne volonté. Je pense que beaucoup d'Occidentaux ont envie de comprendre la manière, entre guillemets, dont fonctionne l'islam, les différents courants, la question du voile. Et il y a beaucoup d'Occidentaux qui, justement, eux-mêmes se disent qu'il faut être tolérant par rapport aux femmes voilées, on ne voit pas où est le problème, parce qu'on oublie effectivement le côté patriarcal qu'il peut y avoir derrière cela, même si en Occident, justement, le patriarcat, évidemment, les femmes l'ont connu de manière extrêmement forte aussi, et qu'il y a eu précisément une évolution sociétale en termes d'émancipation et d'égalité homme-femme, même si évidemment ce n'est pas encore achevé. C'est pour ça que justement, d'abord, ces gens doivent lire le livre et ils comprendront que en quoi le voile pose réellement problème et que critiquer le voile, le concept du voilement, n'est pas s'attaquer aux femmes qui le portent. Et voilà. Il faut justement, parce qu'un des arguments de ceux qui sont soi-disant tolérants vis-à-vis du port du voile, c'est qu'ils considèrent que toute critique du voile, c'est s'en prendre aux femmes qui le portent. Non, critiquer un concept, ce n'est pas s'en prendre aux individus, pas rester indifférent face au port du voile. Et d'ailleurs, le voile n'est pas non plus porté de façon indifférente par celles qui le portent. C'est ça, d'autant plus quelque part que certaines femmes voilées souhaitent effectivement le porter en termes de revendication et politique et devant les tribunaux. Donc, je veux dire, c'est pas un choix neutre qui, entre guillemets, n'intéresserait que la femme qui porte voile, ça intéresse l'ensemble de la société aussi et notre démocratie, évidemment, de manière générale. Oui, et puis on me dit souvent, mais d'abord, en quoi ça te gêne le voile? C'est toujours l'argument CM2, ça, j'appelle l'argument CM2. Mais en quoi ça te gêne? Elles font ce qu'elles veulent. Pourquoi ça te gêne le port du voile? Alors, je réponds que d'abord, le voile n'existe pas d'abord pour les femmes. Le voile existe d'abord pour l'homme. Parce que l'homme, pour ceux qui prescrivent le voile, l'homme a un instinct naturel de sexualité, de besoin sexuel. Et que quand il voit une femme, il est attiré sexuellement, c'est sa nature. Donc l'homme doit être protégé. Ce n'est pas la femme qui doit être protégée, c'est l'homme. Il doit être protégé de son instinct, il doit pouvoir être apaisé. Et comme c'est une vision patriarcale, ce n'est pas à lui d'apprendre à se contrôler, il faut cacher l'objet de tentation. Et une fois que l'objet est caché, à ce moment-là,
Donc l'homme est protégé et de facto la femme aussi, puisqu'elle ne subira plus les assauts des hommes. Mais en premier, c'est de protéger l'homme, pas de protéger la femme. La femme est protégée parce que lui-même, l'homme lui-même est protégé de ses instincts animaux. Voilà. Et donc, en tant qu'homme, le fait qu'une femme soit voilée devant moi me renvoie à mon statut de mâle potentiellement agresseur. C'est pas, le voile est porté pour ça, encore une fois. Donc, en tant qu'homme, je le trouve insultant pour moi. Je le vis comme une insulte pour moi en tant qu'être humain. C'est ça. Voilà. Et c'est aussi une insulte envers les femmes, puisqu'elles sont considérées comme des objets sexuels, peu importe leur cerveau. On les voit d'abord comme des objets. Et les islamistes, justement, c'est leur vision du respect, de dire que, bah, une fois qu'on a voilé la femme, comme on ne voit plus ses formes, bah, à ce moment-là, on voit un être humain sans sexe. Et donc là, on s'intéresse à la personne qu'elle est. Et ça, pour eux, c'est une forme de respect. Ben non, le respect, c'est de voir d'abord l'être humain. Ce n'est pas parce qu'on voit ses cheveux, ses oreilles, son cou, ou une épaule, ou un genou, que tout d'un coup, on va être des chacals et on va vouloir lui sauter dessus, et peu importe ce qu'elle peut dire. Donc, c'est pour ça que, comment dire, qu'est-ce que ça peut me faire ? Ben, ça me touche en tant qu'être humain, ça me touche en tant que citoyen, ça me touche en tant qu'universaliste, et je suis concerné. On est tous concernés par le port du voile, que ce soit celle qui le porte, que celle qui ne le porte pas, qu'on soit musulmane ou pas, qu'on soit homme ou femme, le voile nous concerne tous. Voilà, c'est effectivement un argument qu'on nous sert souvent aussi, donc c'est intéressant effectivement de l'aborder aussi. Et c'est ce que tu dis quelque part, c'est que les intégristes en réalité sont des obsédés sexuels qui n'arrivent pas effectivement à se maîtriser et que la seule façon de se maîtriser, c'est finalement de maîtriser la femme en la cachant. Alors, je l'ai dit, Naïm, ton livre, il est extrêmement didactique, il est précis, il évoque une série de questions extrêmement larges, donc il y a un large spectre. Donc, on ne peut pas évidemment, sur le temps imparti, voir l'ensemble de ton livre, mais pour ne pas non plus, j'ai envie de dire entre guillemets, te frustrer, pour le dire gentiment, si éventuellement tu souhaites aborder un dernier aspect avant qu'on ne se quitte, c'est le moment. Non, je crois qu'on a bien balayé, on a bien pris le temps, simplement te remercier pour cet entretien. C'est vrai que ça a mis du temps à se caler, parce que je n'en avais pas forcément la possibilité, ça fait plusieurs mois que tu m'avais soumis ton désir qu'on puisse faire ça, et donc je te remercie pour ta patience. Et qu'on ait pu prendre le temps aujourd'hui de discuter. Et voilà, donc j'ai passé un agréable moment, j'ai pu m'exprimer comme je l'entendais, et c'était super, et je te remercie. Écoute, Naïm, je te renvoie l'appareil, sincèrement. C'est vrai que c'est un petit temps que j'essayais de t'avoir, parce que je trouve justement que tu avais des choses importantes à nous dire et que ton livre m'avait interpellé, parce que comme pas mal d'autres personnes, je pense qu'on se pose énormément de questions par rapport effectivement à la question du voile et les causes qu'il peut pour le coup cacher. Et je pense que tu nous as éclairé. Et je te remercie donc pour cet entretien, et je te souhaite beaucoup de succès dans à travers ce livre, et puis aussi à travers ton blog et toutes les activités que tu peux déployer pour en faveur de la laïcité. Je te remercie, Naïm. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.